voilà. Bim. Ok. Twitch, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, 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 ok. Il faut que je mette ça devant. Tac. Et on va mettre la scène. Allez, bienvenue les amis avec Minecraft. En fond quand même, c'est quand même mieux. Si ça apparaît, bracadabra, et voilà, c'est magique. Allez, salut Mini Carte, salut Al, salut à ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue les amis. Comme ce soir, j'ai autant de spectateurs d'un seul coup, c'est bizarre. Non, la scène, c'est pas la même scène, c'est S-C-E. Voilà, pareil dans Minecraft, le retour, non, non. Oh non, j'en ai marre de construire du haussmanien. Voilà, on aurait été plus nombreux en vrai, on aurait pu agrandir la map considérablement. Mais là déjà, on en a construit quand même pas mal de Paris, hein, au niveau des monuments, des machins et tout. On en a construit quand même pas mal. Salut le vrai Lilian, bienvenue les amis. Alors, du coup, pour un châtal, bien sûr un châtal des châteaux, mais évidemment. Oui, c'est vrai. Alors... bon, j'espère que ceux qui ont eu leur rentrée aujourd'hui, ça s'est bien passé, bien sûr. Bon, en général, la première journée, c'est un peu mitigé, on se replonge dans le bain, on reprend les crayons, hein, ça fait dur hein, au début de reprendre les stylos. Pour ceux qui n'écrivent pas souvent, on a plus l'habitude de taper sur des claviers, hein, plutôt que de... évidemment. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Voilà, c'est le principal. Alors, copie non, évidemment. Ça c'est la sauvegarde de secours. Et place avec Tellworld, il est là. Voilà. Voilà, mais la première journée, en général, c'est quand même... moi, je me rappelle... bon, pourtant, c'est vieux. Hein. C'est quand même vieux quand je faisais des rentrées scolaires et tout. Mais la première journée... tu retrouvais les copains, tout ça, il y avait toujours un côté sympatoche qui était cool. Alors, où est-ce qu'on en était dans l'histoire? Ah oui, c'est vrai. On était sur la façade qui est là. Bon, attendez, on va faire un petit F4. Hop là, on va se séparer de notre corps qui est toujours là. On va regarder un petit peu notre début de notre château Renaissance. Ah oui, bah là, tiens, on va avancer la partie là qu'on va faire de l'autre côté déjà dans un premier temps, ça sera déjà pas mal. Ensuite on va faire le haut qui est un petit peu rigolo à cet endroit là. On va voir aussi comment est-ce qu'on prépare et la hauteur qu'il y aura là, mais ça va être quand même assez badass. Hein. Là il va y avoir de la hauteur, madame Chambier. Vous verrez ça va être cool. Alors du coup par contre qu'est-ce qui me restait? Ah si, de la smooth. Alors de la smooth j'en ai fait pas mal. Mais je crois que c'est de la sandstone, j'avais pas fait tant que ça. Je sais plus qu'est-ce qui me reste dans mes coffres. On va aller voir un petit peu les amis, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-dedans bien sûr. Alors hop, la sortie, elle est là. Coucou sorcière. Coucou Mélodie. Eh, hey, bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Hop là. Oui. Je suis en train de penser à plusieurs trucs en même temps. Ah, j'ai joué un peu à Star Wars cet après-midi, mais du coup, j'ai record. Comme ça, vous serez pas perdus. Pour ceux qui... Ah, mais j'en ai plus du tout, en fait, de la sandstone comme ça. Bon, on va poser ce qu'on a à poser. Et puis on verra le reste. Qu'est-ce que j'ai là sur moi? Est-ce que j'ai des barrières, j'ai des machins, tout va bien? Tchac, vas-y, balance ton épée, on dira rien. Je suis décidément... Faut dire que la touche de drop, elle est sur A. Donc du coup, ça m'arrive assez souvent avec mes gros doigts. Ça m'arrive très souvent de...
de me fail et de balancer mon épée, hein. C'est assez fréquent. Salut Joxo78, bienvenue à toi, bienvenue à ceux qui arrivent. Ok, alors, de là, on avait fait ça, Ah oui, je crois que j'avais mis un mur intermédiaire, mais en fait, j'étais même pas sûr. Ah non, j'en ai pas mis, bon, j'ai bien fait. En tout cas, là, on est tout en smooth, ici. Là, j'ai quand même fait le contour, mais remarquez, est-ce que je sais pas si c'est une bonne idée de... Ouais, sur Marc. Ouais, de toute façon, je sais que j'aurai un mur. On va se séparer. Il y a des parties qui seront séparées, sauf là, on aura une grande salle à l'intérieur. Bon, on verra. De toute façon, c'est un château d'apparat. Voilà. Juste un truc que je voulais vérifier également. Je me dépêche. De toute façon, j'ai déjà construit de ce côté-là. Est-ce que j'ai intérêt à le faire tout de suite, ce truc-là? C'est du 5-1 que j'ai mis. Ouais. Reviens dans ton corps, toi. Bon, alors c'est bien. C'est pas quoi, le 5-1? On va le faire tout de suite. Voilà. Comme ça, on va faire touch. On va faire touch. Voilà. Normalement, je sais pas s'il m'en reste sur moi du bois. Ah, pu ? Ah si, il y en a encore. Bon, tout va bien. Bon, ça, c'est bien. Il y en a plus, il y en a encore. Bon, on verra là. Donc là, je vais avoir le 1. Et là, on va être dessus. Touch. Ah, pourquoi j'en ai mis deux de ce côté-là ? Parce que c'est comme ça. D'accord. Bon, bah écoutez, s'il y en a deux... Bah, il y en a deux. On va mettre comme ça. Le 5 et le 1 qui va venir. Touch. Il y a une erreur. 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est lui qui n'existe pas en fait. Je vais le paumer ce bloc-là, vous allez voir. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Bon, c'est pas grave. Allez, pan et pan. Faut dire, on n'est pas à un bloc non plus comme ça. Ok, donc ça c'est valide. Miam, miam, miam. La torche qui est là, je dirais que en attendant, on va plutôt la mettre ici, bien sûr. Faut que je réfléchisse à quel endroit je fais mon mur. F4. Qu'on ne fasse pas des bêtises. Là, le mur il est juste aligné sur l'autre. Donc en fait, j'ai que deux ici, d'accord. C'est vrai que je peux revenir dans mon corps directement. Très bien. Donc j'ai que deux, ce qui veut dire que le mur, il est quand même en extérieur. Ha ! Bah bien sûr ! Alors, on va reprendre... je sais plus qu'est-ce que j'avais, si c'était de la cut sandstone ou je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai mis au sol? Sans doute de la cut sandstone. J'en suis presque sûr. Il m'en reste ou pas? Est-ce que ça, si je la mets comme ça, non, ça me fait rien. Crotte. Ah, crotte de bitch. Bon, bah tant pis. Bon, il m'en faut pas beaucoup en même temps. 8, ça va pas suffire. On va se prendre. 2, comme ça. Schlack. Et schlack. Et donc du coup, à partir de là, bah, c'est important qu'on soit aligné de partout. Évidemment, il en manque une. Sinon, c'est pas drôle. Hop, qu'on va mettre là. Et comme ça. Ok. Très bien. Coucou Lilo. J'espère que ça va. Oh, trop bien! Le point d'exclamation monte solo, là, ça rigole pas. Ouais, ça va. Ça va bien. Un peu de calme. J'ai ma fille qui est partie, ma deuxième, ma grande, qui était à la maison, qui est partie vivre, rejoindre sa soeur en Haute-Savoie. Comme ça, j'ai les deux en Haute-Savoie. Ça tranquille. Donc on pensait qu'elle allait. Elle était partie pour s'installer à la maison. Et puis elle a dit, oh bah non, ma soeur me manque et mes copains de Haute-Savoie me manquent. Du coup elle est partie. Elle est repartie en Haute-Savoie. Voilà. Elle est partie tout à l'heure. Enfin ce matin. Ouais.
Voilà, bon, moi les deux sont groupies. Les deux sont groupies, donc c'est pas plus mal. Voilà. Parce que quand on avait une en Bretagne et l'autre en Savoie et que toi t'habites en Picardie, voilà. Moi, je préfère que les deux soient au même endroit. C'est quand même plus cool. Enfin, je trouve. Voilà. Bim. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, tout le monde au même endroit. Que ça, pas d'embrouille. Donc là, on est bien aligné, donc on est nickel. Hein. Alors juste un truc, F4, je me sépare de mon corps une fois de plus, parce que là, par contre, je crois que j'ai tout fait en sandstone. Hein. Ouais, c'est en sandstone et il m'en faut quand même pas mal. Il m'en faut quand même pas mal. Et là, j'ai fait que des 1. Ouais, c'est bien d'avoir fait ça. Ça change un peu. Là, le toit, celui-là, il va être plus petit que celui-là. Donc, c'est très bien. Et puis, moi, j'ai tout rempli. J'ai fait le bourrin, là, en fait. Ah ouais, mais vous savez quoi ? C'est vrai que là, j'avais que deux trous-trousses. OK. Si on fait même pas les trucs correctement, ça va pas. J'ai tout rempli comme un barbare. Et en plus, si je ne m'abuse, j'ai laissé un truc comme ça. OK. 4. Très bien. Donc 2. Trousse. Voilà. Quelle hauteur, je sais plus. On verra. Ah bah c'est simple, c'est à la même hauteur que les autres. Sauf que là j'ai rien. Et bah je suis monté de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc il faut que je fasse un trou à 7. Ah ah. À 7. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va mettre des escaliers là-dedans. Voilà, c'est bien ça. Bim, bim. En plus c'est facile à retenir. Hop, hop. Voilà. On a juste les petits... Le petit machin à mettre, ça sera nickel. C'est-à-dire que des escaliers en smooth, ils sont là. Bim. On fera dodo et tout ça après, on verra. Voilà, ça c'est bon. Paf. Paf, parce que faut qu'on avance un petit peu là quand même, hein, dans l'histoire. Hein, 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 hein. Ça va, Vanders? Voilà, c'est Christo aussi. Et salut à tous, bien sûr. J'ai l'impression, moi mon nombre de spectateurs il délire complètement, mais vraiment complètement. Vous voyez que j'ai combien de spectateurs là pour l'instant? Oui bah moi aussi, bon c'est possible après, hein. 703, 660, 717, pourtant c'est pas du Holy Cube là. Bah ça va bien Wonders, voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est bizarre. Bon, après, c'est possible, hein, j'en sais rien. Hein, j'ai déjà eu énormément de spectateurs sur Twitch. Ah, mais je sais pourquoi! Mais oui, je sais pourquoi, les amis, j'ai complètement oublié. Oui, c'est vrai, ils m'ont mis en avant Twitch, c'est vrai. Ah, bah c'est trop cool. Ah, mais c'est vrai, on est le 2 septembre. Oui, c'est normal, c'est parce que, vous savez, Twitch, ils mettent en avant et tout, et puis à un moment, j'avais demandé, mais il y a longtemps, et puis du coup, ils m'ont mis en avant, donc bon, c'est bien, hein, comme ça change un petit peu, quoi. Ça fait un peu de monde sur le live, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, bon, c'est vrai qu'après, au démarrage d'Holy Cube, hein, il est pas rare d'avoir 2000, 3000... Et plus. Ouais, je sais plus quand est-ce que j'avais demandé à Al. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, bah, bienvenue, du coup, à ceux qui sont en train d'arriver. Alors oui, j'ai mis 10 minutes hein, pour pouvoir parler, parce que des fois, on avait des trolls. Dieu à mon âge avancé. Ah, un papy qui joue à Minecraft, hein, mon Dieu. Et tout, ça, enfin bon... Bon, à savoir, hein, ça fait quand même 12 ans hein, que je joue Minecraft de façon assidue, hein, donc voilà. Ah, c'est cool ça, Alice Scott, c'est super cool, voilà. Ouais, c'est bien.
Bien vu, bien vu, elle. Bien vu. Ok, donc là, on est bon. Alors, pour expliquer, hein, donc je suis en survie hardcore, donc j'ai une seule vie. J'ai quand même des petits modes, par exemple, pour la musique, pour les sons. Donc, quand on se balade en forêt et en fonction des biomes. Donc, j'ai des petites musiques qui sont sympas. Et j'ai un biome, bien sûr. J'ai un mode spectateur qui me permet de prendre du recul pour voir où est-ce que j'en suis dans ma construction. Voilà. En sachant que j'ai pas le droit de mourir, ni pas d'une caisse, hein, donc on fait quand même attention. Je suis quand même quelqu'un d'extrêmement prudent, en général, dans ces trucs-là. Donc voilà, donc c'est cool. Alors, manger un beefsteak. Donc je sais que j'aurai pas assez de sandstone, mais on va déjà poser ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il me reste comme sandstone normal? Je la vois pas. Je la vois pas. Donc ça c'est la smooth, tout ça c'est de la smooth. 58, vous voyez, il m'en reste un petit peu ici. Donc je suis monté de 2 en 2 jusqu'en haut. Donc là on va monter comme ça. Hop. Alors ici il va me falloir une fenêtre, une porte, pardon. C'est bien de la sandstone, hein, c'est bon. Tac tac. Je vais remettre des petites fenêtres ici par contre. Là on va en avoir comme ça. Ouais, c'est bien ça. Jusqu'à là. Et puis évidemment, on ferme ici. Bien sûr. Là, est-ce que j'ai mis... Je me rappelle plus si j'ai mis un étage. Logiquement, je pense que oui. Hein. Ouverture. Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est très bien. Ok, donc du coup, on en a un comme ça. Et après, on remonte comme ça. Bim. Hop. Voilà, on va monter comme ça. On va dessiner tout de suite les bignous, hein, comme ça, ça sera bien. Ok. Ah, évidemment, hein, faut toujours faire super attention. Sauf que de ce côté-là, je sais pas encore comment je vais gérer le truc. Parce que... F4, qu'est-ce que j'ai fait, moi, là-bas? J'ai fermé ou j'ai ouvert? Ouais, j'ai ouvert que d'un côté. Ok, oui, le côté qui est là. Et encore, j'ai un mur qui va arriver juste en plein dedans. Donc, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur, donc, à mon avis. Je vais le faire plein. On va le faire plein pour l'arrière. Et de toute façon, j'en ai plus. Donc, comme j'en ai plus, et ben voilà. Donc, on va aller en chercher. Alors, on va aller dans un endroit très dangereux. Salut la trousse, le but promet. Ouais, en général... voilà, vous pouvez checker ma chaîne YouTube, hein, vous juste en dessous, normalement, vous avez des liens. Mais et puis là, j'ai une vidéo de présentation qui montre un peu les diverses constructions, mais que j'ai faites depuis, voilà. Oui, on peut montrer mon inspiration pour le thème. Voilà, ouais, c'est vrai. Je vais vous montrer ça. Je m'inspire d'une image. Je vais vous la montrer, l'image. Tchac. Mon inspiration. Attention les yeux, les amis. Display capture. Donc là, je fais choix du jeu. Et bim. Voilà mon inspiration. Ah, donc on reconnaît assez bien, hein, le rez-de-chaussée. Là, je suis en train de faire l'étage qui est ici. Ah, vous voyez, là, il y a une tour qui monte très très haut quand même. Hein. L'arrière, je le fais à ma sauce. Donc on verra bien. Hein, mais voilà, grosso modo, le style de construction que je vais faire. Et à savoir... que je remets Minecraft devant, avec le coucou. Donc il faut que je refasse ceci et cela. Non, page. Choix du jeu. Voilà. Il faut que je mette ma petite image là, à côté. Ah, si j'y arrive. Bim. Bim, parfait. Et Minecraft devant. Normalement, vous devez avoir le Minecraft. C'est parfait. Voilà. Donc du coup, j'ai plus de sandstone normal, j'ai plus que de la smooth, donc ça va pas, il faut qu'on aille en chercher. Pour aller chercher donc de la sandstone qui est quand même assez loin, donc on va passer par le nether, mais déjà on va ranger dans un coffre. Je devrais mettre un coffre, je vais mettre un coffre là. J'en ai pas des coffres tout faits, tiens, si. Voilà. Pour me vider plutôt que me re-remplir à chaque fois. Voilà, ça va être un coffre qui va me servir à mettre tout mon brin dedans. Voilà. On va se mettre. Toc. Le bouclier, je vais le garder. La pelle aussi.
matin, que ça change. Le lit, je vais peut-être en avoir besoin, mais là-bas, hein, pas dans le nether, hein, bien sûr. La Silk Touch aussi, j'en vais avoir besoin. Ça, je vais le mettre là. Ouais, tout le reste. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon Ender Chest? Je me rappelle plus. Et merci à toi, mon Dudu, qui a resub pour son 78e mois level 3. Gros cœur sur toi, merci beaucoup. Coucou TRD. Allez, salut à ceux qui sont en train d'arriver. Ok. Donc, on va se mettre un casque en or, hein, vu qu'on va dans le nether. Fire résistance, ça peut servir si jamais on tombe dans la lave. Tu serais quand même fâcheux, bien sûr. Donc, je vais mettre mon casque là-dedans, qu'il faudra que je pense à récupérer après. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ok, on va re-ranger d'autres trucs et on va se faire de la place. Ça, là-dedans. Mon bouclier, je peux le mettre ici. Bon, vous voyez un petit peu moins, hein, ça cache un bout de l'écran, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, mais je préfère rester vivant. C'est quand même le plus important, hein. Ça, je peux ranger. Tout le reste, en vrai... tout le reste, en vrai, je peux garder, à part les escaliers. Je sais pas pourquoi j'ai gardé les escaliers sur moi, mais on s'en fiche. Alors, donc, perception. En avant, Guingamp. C'est bon, j'ai tout, ouais. Parce que les passages dans le désert, ils sont assez dangereux. On va aller chercher un peu de sandstone. Donc ça va assez vite. Voilà. Le pire endroit pour spawn. En plus, j'étais juste au bord de la lave. J'étais obligé de faire vraiment une fermeture ici. Je peux vous dire que c'est un peu craignos. Voilà, donc du coup... Alors j'ai fait plus ou moins sécure. Hein. Voilà, plus ou moins sécure. Bon, pour l'instant, c'est du provisoire. Hein. J'ai commencé cette aventure il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Vu que je suis mort... je suis mort sur ma dernière aventure solo hardcore après 2 ans. 2 ans sans mourir. Vraiment, j'avais fait une cité de ouf. Enfin, j'avais fait vraiment un très très beau château avec les nouveaux blocs de la 1.19 qui était assez sympa. Et je suis mort en faisant une ferme à comment dire, une ferme à raid. Voilà. Vu qu'il y a plein de vex, moi j'étais coincé dans un couloir et plein de vex qui me sont tombés dessus, qui passaient à travers les murs et qui m'ont éclaté. Voilà. Donc ceci est ma machine à XP provisoire, hein, made in Roi Louis. Hein. Alors c'est pas une usine, hein. Je tape juste des pigmen. Et puis je me mets au-dessus, ils vont tous dans le trou et je les tape par en dessous. Et une fois qu'ils se calment, je rentre chez moi avec plein d'XP, je suis content. Voilà, c'est une ferme toute simple de début de partie, mais on va s'en faire une un peu plus complexe plus tard. Parce que des fois, de l'XP, c'est quand même bien d'en avoir quand même pas mal. Voilà, bien sûr. Coucou Alexandre, merci beaucoup pour ton 50e mois, c'est beau, ouais, 50 mois. De sub, merci à toi, je te fais des gros bisous. Et j'espère que tout va bien pour toi, mon pépère. Et que la vie est belle. Voilà. Salut Guillaume, de Bretagne. Voilà. Et salut à tous ceux qui sont en train d'arriver, hein, bien sûr. Voilà. Hop là. Allez, on grimpe là-haut. Bim. Gentiment, bien sûr. Oula, alors attention à eux. Eux, ils sont super méchants. Eux, ils font très très mal. Hein. Ils font peur aussi. Par contre, ils aiment pas les champignons bleus. Hein. Petite astuce, hein, si vous voulez les éviter. Vous vous mettez près d'un champignon bleu et ils ont peur. Voilà, ils se cassent. C'est tout ce qu'on leur demande. Un bon cochon. Oh, ils font super mal, hein. Est un cochon mort. Enfin, surtout ceux-là. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis des petits champignons bleus tout le long, hein, bien sûr. Hop. Voilà, on va remonter gentiment par ici. Je suis pas allé un peu loin, là. Non, je pense que c'est bon. Il est où, mon portail? Ah, c'est bon, je le vois. Je me demandais, j'ai fait un portail là. Ouais, c'est pas super sécure, mais un petit peu d'aventure, ça fait peur.
Ah, c'est toujours bien d'avoir toujours des petits coins qui font un petit peu peur. C'est quand même cool. Regardez-moi ces paysages merveilleux. Oh, incroyable. Regarde. Allez, du coup, on remange un petit coup là. Un bon beefsteak. Je réveille mes cœurs souvent hein, parce que sinon ça fait flipper. Hein. Ok. Tchao. Et puis là, je m'étais fait une petite caverne pour farmer un petit peu. Alors attention, parce que je me suis rendu compte tout récemment que il y avait un endroit extrêmement dangereux parce qu'il y a un énorme trou, il y a une gigantesque caverne en dessous de moi. Où est-ce que je l'ai mis là, tiens. Là, on peut aller par là. Il y a une énorme caverne en dessous, donc on a intérêt à faire super attention, les amis. Super attention de chez super attention. Enfin là bon, il y a encore de quoi farmer, encore de la place. Ok. Voilà, on a encore de quoi récupérer du matos. Ouais, c'est bon. On va se faire un escalier. Allez, escalier. Je vais monter comme ça là. Voilà. Ça va quand même bien pour fermer. Ou pas. On va s'en prendre un peu. Je vais monter comme ça, comme ça. En fait, je peux même creuser encore plus loin par là. Hein. Je sais pas jusqu'où ça va. Ah, on va s'arrêter à peu près là. En faisant attention au sable. Ça, c'est quand même le truc le plus dangereux qui soit. On va éviter de faire une arène à franc. On récupère un peu tout ça. J'adore, vous entendez le vent et tout. Bon, tout ça, c'est pas dans Minecraft de base, hein, bien sûr. Voilà. Un gruic. Ok. Oh, bah, c'est bon ça. C'est un peu... c'est pas terrible là, de farmer à cet endroit-là, en fait. Alors, juste sur cette hauteur-là. Allez, on va faire comme ça. Ok. Allez, on récupère tout ça. On va se remettre une torche. On va éviter les petits soucis. On les connaît, on connaît l'histoire. Ok. Et... à partir de là, décidément, quand ça veut pas, voilà, là, ça va aller quand même beaucoup mieux. Remplis ton inventaire super vite de cette façon là. Comme ça, ça se passe plutôt pas mal. Ah, c'est, j'avais complètement zappé que c'était aujourd'hui qu'il me mettait un avant Twitch. Bon, ça fait plaisir. Marqué. Alors par contre, là j'ai des blocs, je vais pas m'enquiquiner. Alors déjà on va récupérer tout ce qui est tombé partout. Je pense qu'on va aller à un autre endroit. Parce que c'est un peu long de récupérer ici. J'aime pas laisser traîner des blocs, hein, bien sûr. Mais là, ça commence à être pas facile. Ah, j'ai remarqué. Peut-être là. Comme ça. Voilà, on va en récupérer pas mal. Hop là. Je vais surveiller un peu ma torche quand même. Faire attention à pas faire des catastrophes. Ok, c'est bon, tout le monde est content. Ouais, on est content, ouais, c'est bien. Je vais peut-être creuser un étage de plus. Ouais, comme ça. Quoique c'est 3 de haut. Voilà, comme ça c'est bien. Allez,
Et maintenant, normalement, bim, 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 bim. Bon, il y a des endroits du sable qui est tombé, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Faut juste pas rester dessous. On va éviter. Aïe, 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 aïe. Je peux me sauver là. Hop là. Et prêt. Voilà. Bah, ça y va tout seul. Allez, on récupère le matos. Là, on en récupère vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est bien. Je regarde mon inventaire. Ouais. Ok. Ça va aller mieux avec ça, ça dans les mains. Alors il y a des trucs qu'on veut pas. Ça j'en veux pas. Les pots de. Ouais, j'en ai plein. En vrai j'en ai plein. Ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas. Et ça je n'en veux pas. Et donc nous ce qu'on veut. Alors je remplis mon inventaire de sandstone parce que c'est ça qu'on veut. C'est de la sandstone. Par contre je vais me barrer. Attends, il y en a encore un peu. Ici. On récupère quand même tous ces blocs là. C'est pas cassé pour des prunes. Alors regardez bien, vous allez voir comment c'est super craignos. Voilà, je suis quand même en hardcore, donc j'ai vu qu'en dessous là il y avait une caverne de la mort qui tue. Donc il faut qu'on descende gentiment par là-bas. Oh, ça y est, alors lui il saoule. On va aller un peu plus loin. On va se mettre, admettons. Ouh. C'est quoi, c'est de l'eau qui est en bas là? Ouais, donc ça c'est déjà moins dangereux. Un peu moins dangereux, mais on va creuser genre par là, comme ça. On va creuser là. Donc pour me rappeler que je suis là, je vais faire une... Voilà, ça de loin on le voit. Donc ça c'est cool. Ok, et c'est Joe la caverne. Je pense qu'à cette hauteur là ça sera pas mal. Ah non, c'est pas. Ah mince, c'est pas si profond que ce que je croyais. Bah crotte alors. Oh purée. Réflexe du sable. Ouais, il y a intérêt à faire quand même drôlement gaffe. Hein. Ouais, le sable, j'en veux pas de toute façon. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Si, je peux encore récupérer pas mal. Bon, je pensais être mieux. Je vais mettre une petite torche, genre par ici. Ok, et on va creuser. Purée. Ah, mais crotte de biche. Je pensais qu'on en avait plus. Ok, ça va le faire. Touch. Bon, d'accord. Bon. Alors, des fois, vous avez des milliards de sandstone à certains endroits. Et puis, des fois, non. On va se mettre une torche, genre, par là. Ok. On récupère le matos. Et puis là, on va partir... à partir de là. Qu'est-ce que j'ai comme d'autres blocs? Attendez, je vais en mettre quand même un ici. Ok. Ok. On récupère un max. Sans prendre de risque. J'ai encore de la place. Oh, plus beaucoup. Juste une petite rangée et ça suffira. Voilà, c'est bien. Là, normalement, on va être full. Le sable, je le laisse, hein, Osef. Qu'est-ce qu'il me reste comme place? Ah, encore 42. Comme Adriana. Adriana 42. Oh, ça marche. Oula. Ah, si, on récupère. Ah, puis là, il n'y en a plus. On est full, on est full. Eh ben, on est full. Alors, on rentre à la maison. Et c'est bien, c'est bien. Touch. Tiens, je récupère ma torche. Celle-là, en vrai, ouais, je les laisse. Ouais, on les laisse. Allez, on rentre à la maison. On a récupéré ce qu'on voulait. Oh, il y en a du bestiau par là. Monsieur, dame, enchanté.
Allez, remonte tranquille. Let's go, H-Barak. Voilà, coucou à Karami. Merci beaucoup pour ton 67e mois de sub. Voilà. Oh, le bouclier, il a morflé encore. Oh. Voilà, ça c'est juste pour t'apprendre la vie. Et bim. Nature Château et Boostify dans le Périgord noir. Ah. T'as été dans quel coin? Ah, le Périgord noir, c'est quand même... C'est quand même une belle région, hein. En Dordogne, les amis. Moi, j'ai passé vraiment des vacances géniales là-bas. On y a été 2-3 fois avec Nina. Et puis, pour ceux qui aiment les châteaux forts, je peux vous dire que là-bas, vous êtes servis. Hein. Ah, via la Rogajac, ok, super. J'espère que t'as fait du canoë. Ah, c'est trop bien de faire du canoë, c'est vraiment sympa. Nous, à un moment, on avait trouvé une toute petite crique et il n'y avait personne. Oula. Et on s'était baigné cul nu dans la Dordogne, c'était sympa. Moi, j'avais qu'une peur, c'était de perdre mon maillot de bain. Parce qu'il y a du courant à l'endroit où on était. Donc ça aurait été quand même embêtant. T'imagines, t'arrives cul nu dans le canoë. ce serait quand même embêtant. Par contre, attention au coup de soleil. Hein. Ça pique des fois. Je te jure. Ah, il y aura une revanche. Ouais, non, mais... De toute façon, la Dordogne, c'est impossible de tout faire en une seule fois. T'as tellement de trucs à voir. T'as tellement de trucs à visiter. Pour ceux qui aiment les châteaux, les machins, les randonnées et tout, il y a vraiment plein d'endroits vraiment, vraiment chouettes. Surtout que nous, on avait un point d'attache central et du petit hôtel où on était, on voyait trois châteaux. On voyait Bénac, on voyait Marquessac et on voyait... Marquessac, c'est surtout les jardins qui sont incroyables. Et on voyait Castelnau. Donc on était vraiment juste entre les trois là. L'hôtel où on était. C'était tellement sympa. Ah, tellement de choses à manger, ah oui. En Périgord. En Périgord, oui, évidemment. Hein. Forcément. Voilà. Ah, t'as fait tout ça, ouais, c'est vraiment sympa. Hein. T'as dû avoir chaud, hein, par contre. Hein. Purée. Voilà, nous voici dans mon sous-sol. Voilà, mon petit sous-sol. Alors là, c'est bon, on a récupéré du matos, hein, donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ce matos-là, on va le mettre immédiatement ici. On va quand même s'en garder un petit peu. Ça sert à rien d'en avoir de trop, mais ça, c'est bien. Et je vais récupérer ce que j'ai dans mon coffre à moi. Oui, oui, oui. Sauf les petits bâtons, on s'en fiche un peu. La smooth, sandstone, la cote, les machins, poète. Et puis poète, mais ça c'est juste pour faire plaisir. Voilà. Mon under chest, oui ça, en fait j'en ai un à côté, j'en ai un sur moi. Mais ça m'évite de le poser, de le recasser, etc. Donc j'en ai toujours un dispo à côté. Donc on va se reprendre ça, chers amis, mon casque. Que je vais remettre mon casque qu'il est mieux, bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque? Bah c'est bon, j'ai envie de dire. Hein. Ah si, je vous montrerai comment je fais de l'XP, ça. Je pense que ça va vous faire marrer. Coucou Ryan Duck, coucou à ceux qui sont arrivés. Coucou Q26. Bon appétit Mélanie. Voilà. Ouais, c'est parce que je suis en page d'accueil de Twitch, Royal Doc, c'est pour ça. Et après, quand les cubes va redémarrer, on aura pas mal de monde. Mais c'est bien, moi j'aime bien les deux. Tu vois qu'on est un petit peu ou pas beaucoup, pour moi ça change rien. Hein. Voilà.
Si, ça fait juste plaisir d'avoir un peu de mise en avant, quoi. C'est ça qui est cool. Mais bon. Non, pourquoi j'étais reparti dans le Nether, moi, dis donc. J'ai fait de dos. Ouais, trop bien. Haut des fenêtres, je vais pas en avoir assez. Qu'est-ce qui me reste? Alors, attendez, je vais regarder tout de suite. Qu'est-ce qui me reste comme bois? D'accord. Oh, bah là, dis donc. Je reviens pas. Tout le birch qu'on a, c'est un truc de fou. Bon, ça va, j'ai bien fait d'en planter partout. J'ai bien fait d'en planter partout. Bon, on va déjà monter nos murs, gentiment. Et puis après, on va se refaire des fenêtres. Voilà. Alors, salut, Ludo Panda. Ah, tu veux mon message? Ben, j'avoue qu'il y en avait pas mal. Voilà. Ah, d'accord. Ben, ça y est, je l'ai vu. Voilà. Ah, c'est marrant, ça. Ah, tu parles peut-être des shorts que j'ai fait. Je pense. Si tu dis ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens... qui m'ont remercié sur les petits shorts que j'avais fait, sur la mentalité positive, etc. Donc, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, voilà. Ah oui, alors, ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait, sur YouTube, j'ai fait des petites vidéos shorts sur mon état d'esprit, parce que les gens sont toujours surpris. Que je sois toujours souriant, tout ça, en train de rigoler, tout ça. Voilà. Et donc, j'explique pourquoi, comment et pourquoi faire. Voilà. Je donne des petits conseils de life qui m'ont bien aidé dans la vie. Voilà. Des façons de voir les choses. Voilà, on va monter comme ça. Ok. Et puis encore un petit peu. Ouh, on est chaud, dis-moi. Combien de hauteur? Encore une. Schlack. Sauf que lui... n'existe pas pour le moment. Donc hop 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 hop, très très bien. Ok, ça c'est pareil. J'avais mis des barrières, je sais plus si je l'ai fait à côté. Voilà, attendez, c'est pas quoi, je vais retirer mon bouclier qui me saoule. Voilà, on voit quand même mieux comme ça, hein. Ça c'est cool. Et là on va pouvoir boucher comme ça. Oh, c'est cool, ça. Ouais, bien sûr. Et là, on bouche. On verra ce qui se passera. Mais là, on est pas mal. Bon, j'ai... Fizer Folie. Hein. C'est obligatoire. Je suis quelqu'un qui me croûte sans arrêt dans Minecraft. Alors, des barrières. Oh, tout ce qu'on a. On a 9 barrières, dis donc. À part les loin. Échafaudage. Quoique, bon. C'est pour ça, c'était pas même pas la peine, mais c'est pas grave, on va faire. Voilà, et il y en a plus. Il y en a plus, et quand il y en a plus, eh ben, on va en chercher un petit peu. Je suis toujours en train d'aller chercher du birch. Attendez, il est où mon escalier? Non, au centre. Enfin, mon échafaudage plutôt. On est là, cool. Alors, ça va, Albator? Ah, c'est super, ça, Ludo Panda. Ouais. C'est vrai que un travail, c'est tellement important. On passe tellement de temps à son travail que, en vrai, c'est important d'avoir un travail où tu te sens bien, quoi. Parce que sinon, voilà, quoi. C'est... Moi, honnêtement, hein, bon, j'ai eu des gros problèmes de dos, j'ai eu des problèmes avec mon cœur, mais en vrai, si j'avais continué à faire du stand comme je faisais avant, j'aurais pu gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais par contre, tellement de stress, tellement de pas d'heure, voilà. Je faisais de la publicité, des autocollants, je fabriquais des enseignes et je faisais pas mal de stands d'exposition. Je les fabriquais, en fait, les stands. Mais là, le problème, c'est comme t'as un temps imparti pour faire les stands et t'as tellement de paramètres qui rentrent en compte et il faut que le stand il soit absolument terminé, admettons, le lundi matin à 9h00.
Et c'est vraiment énormément de stress et tout ça. Voilà. Et aussi à un moment, donc quand je fabriquais des enseignes, bah très souvent j'ai porté des grosses enseignes que j'ai posées plus ou moins tout seul. Voilà. Et donc du coup je me suis abîmé mon dos. Super. Voilà. C'est comme ça. Hein. Pouette. J'ai peut-être pas besoin de tout ça quand même. On va s'en prendre un petit peu du birch, mais quand même pas, hein. Pas autant. Hein. On va s'enfermer un petit peu. Allez, en avant Guingamp. Voilà que maintenant, je vis de Twitch et de YouTube. Voilà. Voilà. Tout simplement. Enfin, je vis. Je survis. Ah, parce que faut pas s'imaginer qu'on gagne des millions. Hein. En France, ceux qui vivent vraiment bien de Twitch, YouTube et compagnie, je peux vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas si nombreux que ça à pouvoir le faire. Voilà. Mais bon, après, qu'on peut le faire, c'est super, hein, je peux vous dire, évidemment. Voilà. Ça, c'est... Il y en a des fois des cousins, des cousines, bon bah maintenant ils le savent et tout, mais au début qui me disaient, mais ah t'as arrêté ta société, bah tu fais quoi maintenant? Je dis maintenant je fais des vidéos pour les enfants. Enfin pour les enfants, pas que pour les enfants. Mais voilà, je joue aux jeux vidéo. Ah bon? Et tu gagnes des sous avec ça? Bah là, bah ouais un petit peu. C'est trop marrant. Ah ouais, Albator, je comprends tellement. Quand t'es dépendant de petits chefs ou de trucs comme ça, c'est pas facile, hein, évidemment. J'ai connu un moment. Même si j'étais très, très longtemps dans ma life à mon compte, ça m'est arrivé à un moment d'être salarié. C'est pas toujours facile. Bon après, quand t'as ton compte, t'as une autre forme de stress. Hein. Parce que pas de bras, pas de chocolat. Quoi. Donc si tu rentres pas de sous, bah, t'en as pas. Quoi. Par contre, t'as des charges quand même. Donc ça, c'est compliqué. C'est pas évident. Surtout quand en plus t'as des charges salariales, quand tu commences à avoir des ouvriers avec toi, etc. C'est... Alors, t'as intérêt d'assurer un certain chiffre d'affaires tous les mois, sinon... Sinon, voilà quoi. Ça craint du boudin. Alors, mais bon, allez, tout ça derrière moi maintenant, je suis tranquille. Plus ou moins. Des grands enfants, ouais. Oui, c'est ça, Dame Poète, exactement. Faut rester. Bon, après, c'est moi, ce qui est bien, c'est que j'ai des potes de tous les âges, donc ça va. J'ai vraiment des amis de tous les âges. C'est assez marrant. J'allais dire de 7 à 77 ans, mais à peu près. Pas loin. C'est assez marrant. Non, je l'ai pas vendu. Je l'ai pas vendu ma société. Je l'ai arrêté tout court, puisque en fait ma première société, l'État me l'a coulée. Quand je dis l'État, c'est le RSI, c'est les impôts, tout ça. Hein, et bon, voilà. Enfin, ça serait compliqué à expliquer, mais en fait c'est les charges sociales qui m'ont coulé ma première boîte et ma deuxième. C'est, disons, mon médecin qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête parce que sinon je finirais en fauteuil roulant. Et comme c'était au tout début, et comme je commençais à faire ma chaîne YouTube au tout début, puis que ça j'ai eu un démarrage assez fou, je me suis dit, bah tiens, peut-être que je peux gagner des sous avec ça. Ça a quand même pas été simple. Oh. Ça a pas été simple, mais du coup, je m'en suis sorti quand même. Oh mon pépère! Super, il y a les pierres qui me raident en plus. Ça me fait plaisir. Voilà.
le raid de la mort. Oh, ça, c'est pas le premier. Il y a une fois Zerator qui m'a hosté avec je sais plus combien. C'était assez truc de ouf. Bon, ça date, hein, ça date, ça fait un petit moment. Mais en tout cas, merci mon Pierrot. C'est trop gentil. Alors, on est en hardcore solo, les amis. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Hein. Donc, j'ai une seule vie, j'ai pas le droit de mourir. Et pour vous montrer vite fait, donc je suis en train de construire un château Renaissance. Hein, parce que, Waloui, château, obligé. Hein, bien sûr. Alors, c'est le début, hein, c'est le tout début du château. Hein, donc, j'ai commencé à dessiner un petit peu ce que j'allais faire comme château. Bon, là, j'ai quelques plaques hein, qui vont me servir. Je vous montre, hein, j'ai un mode spectateur, hein, mais je suis en survie, hein, bien sûr. Hein. Voilà, coucou à ceux qui arrivent. Salut, Philippe. Ah, merci. Et mon ami Pierre qui a reçu pour son 63e mois. Hey. J'aime bien ce qu'on se sub. On se sub l'un l'autre. Et tu feras un gros bisou à ta petite famille. À ta petite famille. Voilà, je dis rien de plus. Mais des gros bisous à Anaé et tes enfants. Voilà. Et merci pour ton soutien. En tout cas, voilà. Voilà, donc je pense que ça va donner. Alors pour le projet, hein, donc je me suis installé à un endroit qui est vraiment joli. Alors là, de nuit, c'est sûr, on voit moins bien. Mais donc château Renaissance. Et ici, je vais faire un grand jardin à la française qui va aller jusqu'à l'étang. Donc j'aurai pas mal de terraforming à faire. Mais bon, c'est pas ça qui nous fait peur. Ah, bien sûr, on a fait bien pire hein, dans Minecraft. Hein. Donc je pense que ça va être, je pense que ça va être cool. Alors, en plus, moi, vous avez vu, j'ai même pas peur. Je restais en mode spectateur avec, alors que mon corps était dans le noir et tout, un creeper à côté. Et bon, je suis quand même bien stuff, mais on sait jamais quoi. Vous savez pas quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mon lit? Hein, j'ai laissé mon lit là-bas. Alors eux, c'est les pires. Tiens, je vais. Attends, un coup de hache? T'as vu? Oh, non, on se fend la goule, t'as vu? Non, j'ai pas encore de totem. J'ai pas fait de raid. En fait, je suis assez tôt dans mon aventure. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé. Mais j'avais envie de construire assez vite. Donc je me suis juste mis en netherite. Hein, donc ben, quand même le minimum, hein, avec quelques outils en netherite. Et j'ai quasiment pas de ferme. Si j'ai fait une ferme à villageois pour pouvoir... comment dire, me... Voilà, là, il y a plein de bignous là-dedans, hein. Et puis, j'en ai sélectionné quelques-uns pour avoir du Protection 4, pour avoir du Mending, voilà, quelques fermiers pour échanger des émeraudes, hein, et puis voilà, quoi. Voilà, quoi. Donc, j'ai fait une ferme assez simple. Tiens, attendez, je vais vous montrer vite fait comment générer des moult villageois en 1.21 vite fait. Et salut à Johan, bien sûr. Voilà. F4. Et hop là, voici ma petite ferme à villageois. Donc c'est très facile, hein, vous mettez une ferme donc avec deux fermiers. Et donc ils vont s'échanger des graines, ils vont être contents, ils vont faire des cœurs, vont faire des bébés. Alors normalement les trappes du dessous sont ouvertes. D'accord? Là j'ai fermé, vous mettez 5 lits ici. Et du coup ils produisent des villageois, sauf que à chaque fois les petits, bah, ils tombaient là-dedans. Alors j'ai fait un tunnel qui va là où vous avez vu que ça arrivait. Bah, d'ailleurs je peux aller sous la terre, le tunnel avec de l'eau, hein, pour les faire aller par là. Ou alors ici, et puis là j'ai mon sous-sol qui est là. Voilà, tout simplement. Voilà, notre spectateur. Hein. Ah si, j'ai fait aussi, comme je vais faire des frises. Je vous montre ainsi, j'ai oublié de vous montrer ça. Je vais faire des frises en miel. Je trouve que ça fait joli avec les blocs de miel comme ça. Donc du coup, je vais en faire dans plein de salles, plein d'endroits en décor. Donc du coup, je me suis fait des petits trucs comme ça. Voilà. Tout simple, hein, avec donc un observeur, un tout petit... T'as vu, je suis de la redstone, incroyable. Non, c'est tout simple, hein. Et donc là-dedans, vous avez plein de cisailles. Voilà, puis ça remplit en dessous, hein, des petits machins de miel, hein, qu'on met par quatre pour faire des blocs. Et voilà, c'est tout simple. Voilà. Voilà, voilà.
Ouais, après, moi j'ai l'habitude hein, de jouer en hardcore, hein, que ce soit sur Olicube et tout ça. Bon, c'est quand même puis mon monde solo en hardcore que je fais depuis que je joue à Minecraft quasiment. Hein. Donc j'ai quand même pas mal l'habitude. Et puis je suis pas quelqu'un qui va prendre des risques insensés. Normalement. Voilà. Donc je suis quand même assez prudent, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, oui, on a récupéré du bois. Du baoua. Oh, le baoua. Ici, ici, ici. Ah si, il faudrait que je replante. Je replante quand même un petit peu. Je vais prendre la moitié. On va faire hop, hop, hop. Des bâtons, je n'en ai point assez. Mais là, j'en ai plein, 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 plein. Un stack. Paf. Nous, ce qu'on veut, c'est des barrières. Et pan. Voilà, avec ça, on en aura assez. Je vais quand même replanter. Très important, les amis. Dans la vraie vie, si vous coupez un arbre, il faut replanter un. Voilà, c'est la base. C'est vraiment la base. Voilà. Bim. On va replanter un petit peu. Combien j'en ai ? 15. Ça va aller. Voilà. Surtout le birch, j'en utilise pas mal. Le bouleau, hein, en français, bien sûr. Du birch. Faire. Ok, combien il me reste? Il me reste 3. 1, 2 et 3. Ouais. Il reste des petits bâtons, il en reste encore. Qu'on peut replanter de ce pas directement du producteur au consommateur. Parfait. Et voilà. Voilà, c'est bien. Alors, du coup, on va pouvoir monter gentiment. Gentiment notre petite tour là qu'on va pouvoir terminer et on va faire le haut. Alors je sais pas trop encore s'il y a une espèce de décor. Alors pour que ça soit logique, il faut qu'on ait une hauteur équivalente en dessous et au dessus, sinon ça va faire tout bizarre. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a comme dimension et on va faire pareil de l'autre côté, ma foi. Ici jamais je vais là-haut, jamais. Bon, ça, je m'en doutais un petit peu. Toc, toc. Voilà, là, par contre, ouais. Choc. Ça, c'est bon. Ouais, on avance comme ça. Ça marche aussi bien. Toc. Ok. Ici ça part très très vite hein, les barrières purée. Faut dire que quand vous faites des grands bâtiments forcément forcément. Ok, ça c'est valide et tchac, voilà. Salut Laï 221, salut à ceux qui sont arrivés, bienvenue les amis. Voilà. Ah ouais, sur Valheim aussi, ouais. C'est clair que Valheim, c'est sympa, ouais. J'aime bien Valheim. Ah là, je suis en train de tester Star Wars, hein. J'aime beaucoup les jeux en monde ouvert, c'est quand même vraiment... Oh, si vous saviez ce que j'en ai rêvé, quand je commençais à jouer aux jeux vidéo... D'avoir un monde où tu pouvais aller partout et tout, pour moi, ça, c'était vraiment le délire ultime, quoi. De se dire, purée, tu pourrais aller partout et tout, comme dans la vraie vie et tout, et aujourd'hui, ça existe. C'est trop bien. Donc évidemment, hein, je suis très très fan des Assassin's Creed, et j'aime bien parce qu'il y a certaines petites mécaniques, là, dans Star Wars, qu'on retrouve un petit peu... On retrouve un petit peu certaines mécaniques de Assassin's Creed. En même temps, c'est Ubisoft, hein, donc c'est logique. Mais voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Alors là, vous voyez, j'ai quand même pas mal de hauteur au-dessus des fenêtres. Au-dessus des fenêtres, on a pas mal de hauteur. Hein. Ici, là, j'ai juste un seul bloc. Alors qu'en fait, en tout, j'en ai un là et j'en ai encore deux autres. Du coup, on va faire un truc équivalent.
Alors sur l'exemple de mon château que j'ai, comment est-ce que je vais faire ça? Ça ressemble à de la smousse, c'est assez plat, mais c'est pas tellement joli. Moi j'ai envie de rajouter des trucs avec des détails. Je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais faire ça. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. De toute façon, j'aurais mes toits en deep slate, ça c'est sûr. Si, il y a un truc qu'on pourrait faire qui pourrait être assez joli. Sauf que dans les coins, ça va pas être fastoche à faire. On va essayer un truc avec des escaliers en smooth. Faut que je teste. Alors, on va tester ça ensemble. Ça pourrait être assez sympa. Alors, escalier en smooth, on peut s'en faire quand même pas mal. À quoi que non. Bah non, faut pas que je fasse ça, regardez. Là, je vais en avoir que 40 alors que j'ai 60 blocs. Tu vois. Alors que si tu prends le stone cutter que j'ai pas pris, je sais pas pourquoi. Il est où mon stone cutter? What? Je l'ai laissé en bas. Ah ouais, ça, à tous les coups. Tu m'as reconnu. Ah ouais. Je suis pété une jambe. À tous les coups, je l'ai laissé dans le coffre. À tous les coups. Je suis quelqu'un qui est très étourdi, hein, les amis. Bah, bien sûr, il était là, le Tio Pepper. Voilà. J'ai même encore des blocs comme ça que je m'étais séparé. Je l'ai regardé. Oh, que j'aime pas voir mon inventaire plein. Oh là là. On va remettre un petit peu de sandstone normal ici, puisqu'on va se faire ça en smooth. Voilà. Donc, stone cutter. Bim. Bim. Voilà. Et là, au moins, quand tu fais un stack, bah, t'as un stack d'escalier, quoi. Quand même. C'est mieux, non? Voilà. Salut, Scorpion. Salut, Basil Tipo. Ah ouais. Ouais, le type inventory, c'est vrai que c'est pratique. Mais j'essaie quand même d'être quand même le plus proche possible du vanilla. Hein, le seul truc que je me suis permis dans cette survie hardcore, c'est donc un mode spectateur, hein, pour pouvoir regarder des sons. Écoutez là, cette là. Vous entendez les petits oiseaux? Que du bonheur. Il y a des sons aussi dans le Nether, il y a des sons un peu partout qui sont sympas en dessous. Et aussi un truc très important qu'il y a dans tous les jeux vidéo, sauf dans Minecraft, j'ai nommé la map. Bah alors évidemment, ça me montre uniquement que les zones que j'ai explorées. Mais ça, je trouve ça tellement indispensable d'avoir une map. Bon, évidemment, parce que sinon, si vous avez vos bouts de papier et tout, c'est quand même... voilà. C'est vraiment le truc que je me suis accordé, hein, c'est une map comme ça. Par contre, je ne l'ai même pas mis en haut, hein, le petit rond, la dite map. Là, j'ai mis juste une map principale pour me repérer. Voilà. Mais sinon, tout le reste, bah, je suis en vanilla, donc à moi de faire attention, quoi. Bien sûr. Alors... Donc ça c'est valide, qu'est-ce qu'on voulait? Ah oui, faire le test avec les escaliers en smooth sandstone. Ah bah j'en ai d'autres, bah très bien. On va faire un petit test. Alors, attention à pas faire partout. Sur les tours, remarquez, en dessous ça part plus bas. Mais... c'est vrai que les tours vont plus haut, sur la face avant aussi, et par contre après ça part plus bas, c'est bizarre. Le toit il part d'un peu plus bas, mais on va pas pousser mémé. Après c'est une aspiration. Qu'est-ce que je rajoute? 2, ça va faire beaucoup. Attendez, je regarde F4. Je reprends de la distance, hein, pour être sûr de mon coup, qu'on fasse pas des bêtises. Alors après, je peux faire partir un toit assez proche, ici. Par contre, pour les tours, ça va aller plus haut, plus la façade avant. La façade avant, ça va aller plus haut aussi. Mais on pourra rajouter des petits décors. Donc la façade avant, elle est là.
Et en plus, ça tombe bien, vu que j'ai deux blocs ici, ça va bien le faire parce que... Ah oui, alors attention. Ça y est, il y a Mandrin qui s'énerve. Ah, merci Mandrin, merci. Alors, je suis sûr qu'il a mis 100 bits juste avant. C'est son rituel, à Mucho Pepper. Voilà. Voilà. Alors déjà, il a resub level 3 pour son 62e mois, parce qu'il n'est pas là pour rigoler, déjà. Et après, il a offert 10 subs. Mandrin, cœur d'amour sur toi, mon pépère. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est super gentil. Voilà, c'est adorable. Bim, bim. Alors, F4, que je revienne dans mon corps, là. On prend pas de risque. Et d'ailleurs, si on prend pas de risque... Si on prend pas de risque... Tac, touch, touch. Alors, ne pas dormir dans le nether, hein, ça pitch. Évidemment. Ah, c'est du sérieux. Ah, on n'est pas là pour rigoler. Ça me fait rien. Et tchac. Ok. Donc là, on est bon. Donc là, on est bon, chers amis. On va se laisser un petit passage. Vous savez pas quoi. Je vais me dessiner le début de la tour. Ici. Alors là, en fait, on va mettre des blocs costauds, madame. Est-ce que j'ai de la, un petit peu de sandstone? On va se mettre un petit peu de cut. Cut sandstone, ça fait les gros piliers. Bim, 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 bim. Et qu'on va mettre ici, ici. Tac, tac. Et donc, il en faut au moins 8. On va mettre comme ça. Donc là, il faut qu'on puisse passer en dessous, bien sûr. Ceux-ci sont des piliers de contrefort qui sont là. Je vais le faire en sandstone normal, je pense. Fais voir, ouais, là, je suis en sandstone normal. Et jusqu'où on va les faire monter? Jusqu'au plafond. Quoique là, ils sont... ouais, je vais avoir... ok. Alors, on va y aller comme ça. Évidemment, ça va rejoindre les fenêtres. Je sais pas à quel niveau. Je réfléchis. À partir de quel moment je peux commencer à faire un machin. Je pourrais mettre des petites barrières entre chaque. Ça fera des petits détails. Attendez, à quelle hauteur je suis? À la moitié, je pense que ça serait bien de... Je vais avoir un gros balcon. Ok, là, comme ça, c'est pas mal. Je sais pas à quelle hauteur je suis, mais je suis au niveau de ça. Un cran de moins, peut-être. Comme ça. Pour être au même niveau que là. Et puis là, par exemple, je peux mettre des barrières pour diminuer le truc. Par exemple, je peux diminuer en mettant deux petites barrières comme ça. On vit à notre cire, je suis d'accord. Merci beaucoup, Mandrin, qui a offert un sub à Mélanie. C'est trop gentil. Voilà. Dis donc, t'as mangé vite, Mélanie, j'ai l'impression. Ou c'est moi. Tac, tac. Donc là, on va remonter. Il va y avoir un balcon. Alors, ici, je sais pas à quelle hauteur je vais le mettre. Bon, on va faire ici, comme ça, direct. Ok. Et donc... si je dis pas des bêtises, jusqu'à là, ça sera des blocs pleins. Voilà. Là, c'est bloc plein. Choc, choc. Ok. Je pourrais avoir une jonction par là. Un endroit où on mettra une autre barrière à un endroit stratégique. Genre, par exemple, ici. Voilà, en jonction. Même deux, hein. Tac, tac, tac. Y'a quelqu'un? Y'a personne. Et ça, ça va être des supports pour ma tour. Je peux monter encore. Alors attention, là on est là. Il faudrait que je monte au moins jusqu'à ce niveau-là, ça c'est sûr. Ok. Et là je remettrai bien deux petites barrières, ça fera joli. Là j'y vais carrément au pif, hein, les amis. Hein. Comme d'hab. J'en ai assez. Non, bah, je peux en faire plein de barrières, on s'en fiche. Allez, c'est bon. Hop là, on récupère ça. Donc là, si j'en ai deux en bas, j'en ai deux au-dessus. Ok. Okay. Et donc j'aurai un autre support à cet endroit là, mais ceci sera une autre histoire, bien entendu. F4. Alors regarde ce que ça donne.
Ça va, ça fait solide, mais pas trop. Là, je vais plutôt mettre... Je vais plutôt mettre des escaliers. Ça fera plus joli. Et en plus, on va les mettre comme les fenêtres. Comme ça, ça sera joli. Je peux descendre, là? Oula. Ouais, c'est Fizzer Falling. Ok. Si j'arrive aux hauteurs des fenêtres, je pense que ça fera sympatoche. Comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, bim... là j'ai un escalier là, ouais on peut le mettre là, en vrai ça passe, où ils sont, là, ici, bim. Donc là on va mettre un escalier comme ça, dans l'autre sens Boubours, voilà, ça c'est pas mal, donc là je casse celui qui est là, et bim, ça me paraît pas mal, ok, F4, petit peu de distance, c'est pas mal, hein, ça fait contrefort. De toute façon, en plus, surtout que à cet endroit là il y aura un balcon, hein, c'est juste pour faire un balcon. Ils sont vraiment embêtés pour faire un balcon, je te le dis. Non, et puis ça fait un décor, ça change un peu. Je vais même peut-être rajouter un petit bout de bois, un petit bout de birch pour donner encore plus, voire même après peut-être des lumières. C'est tout à fait envisageable. Alors, donc on remet ici, on va remonter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Ok. Alors, des blocs pleins. Évidemment. Pas bon. Pas bon, pas bien. Donc là, je suis monté 1, 2, 3, hein. Et ça. De toute façon, je suis à la même hauteur. Il y a une astuce, sinon, vous faites F5, comme ça, puis vous visez. Regardez, vous visez, puis là, on voit qu'on est à la même hauteur. Voilà, F5. Et ça, ça marche en vanille, hein, bien sûr. Sinon, je ne l'aurais pas donné. C'est des trucs tout bêtes. 1, 2. 1, 2. Voilà, c'est bien. J'en ai mis aussi à l'intérieur, ou je sais plus où. J'ai dû remettre ici. Et tac, ok. Donc les escaliers sont en papier, c'est à dire qu'ici ça vient là, hop, comme ça, ça c'est bien. Ça, dis donc, je suis monté de combien de deux? Ah oui, j'avais dit que j'essaierai de rajouter encore des petites barrières, voilà, pour faire un petit détail supplémentaire. Comme ça, hé, sans pépère. Charles. Je vous jure. Oh là, c'est vrai que la sandstone, faut y aller doucement. Tout doucement. Tac, tac. Donc là, j'arrive au même niveau. Donc on va remettre des petites barrières. Elles sont où? Elles sont là. Ok, qu'on va mettre là. Là, pareil. Ok. On va remonter, hein, ça va remonter encore. Touch. Comme ça. Là, c'est barré ici. Comme ça. Et là, en fait, à partir de là, vous allez voir, on va mettre d'autres trucs. Alors déjà, il faut que je remonte encore là. D'ailleurs, j'en ai mis... Il en manque une. Ok. Voilà, comme ça, ça c'est bon. 1, 2, 1, 2... On reprend un bloc comme ça, et enfin, schlock, 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 et tac, voilà, ça c'est bon ça, bon c'est bon ça. Comme ça, plus haut, je pourrais faire mon petit balcon sur l'étage du dessus, mais ça on verra ça après. Alors, pour être sûr et certain, on prend un peu de distance, on regarde bien. Voilà. Alors pour l'instant ça fait des gros vides, sachez que là évidemment il va y avoir des fenêtres et tout ça partout, hein, bien sûr, mais pas que. Voilà, ton homme il fait à manger, mais c'est trop bien ça, Dame Poète. Coucou Dédé, salut Poulet Dadon, salut à tous ceux qui sont arrivés, et bon app à ceux qui sont partis. C'est vrai que il y en a pas mal qui mangent dans ces eaux là. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et ben dis donc, pas mal ça, cette histoire. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à partir de là,
Est-ce que je le fais partout? Pas partout, je vais pas le mettre sur le fond. Sur le fond, on va faire différent. En fait, je vais faire un petit... on va faire partir le toit. Un cran en dessous. Sur les trucs qui sont dans le fond. Là, ce que je suis toujours ma façade avant. Ça, c'est façade avant. Donc, façade avant, en fait, on va faire ça. Vous allez voir. On va faire... Bim, des escaliers comme ça, en smooth. Tout le long. Et sur les tours, on va faire pareil. Là ça marche et donc là hop jusqu'à là. Alors là ça va être différent, je sais pas encore comment je vais me la jouer, donc du coup on n'en met pas pour l'instant. Alors là c'est les tours, donc pour les tours oui c'est pas gênant, c'est ce que j'étais en train de me demander. C'est pas gênant. Choc. Ok. Touch et tac. Voilà, là on est au fond, donc là on n'y touche pas. Et pareil ici. Tout le tour. Est-ce que je vais. Non, ça je le laisse, on verra après. Touch. Ah, alors là par contre, dilemme. Dilemme. Puisque je peux pas avoir de bloc, je peux pas avoir de bloc comme je veux, et je n'ai pas la petite truc magique. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave. On va mettre des blocs pleins. Ça fera bien l'affaire. Ouais, ça fera bien l'affaire. De toute façon, en fait, on n'a pas tellement le choix. On n'a pas tellement le choix parce que si je fais hop, 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 ça va faire bizarre, non? Je vérifie quand même un truc, on sait pas. Attendez. Si je fais hop, 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 je regarde ce que ça raconte. Hein. Est-ce que ça choque ou. Oh, remarquez, non, ça passe. Non, ça passe. Bon, ça passe. Alors, si ça passe. Surtout que là, j'ai de la hauteur et c'est le haut des tours, donc c'est pas très grave. C'est le plafond. Donc du coup, ça passe. Donc si ça passe, c'est bien. Choc. Choc. Évidemment. On a mis à l'envers, sinon c'est pas drôle. Viens là, toi, Bobours. Ok. Donc là, faut bien viser en bas. En haut. Et pas en haut. Là, je vais pas jusqu'au bout. Puisque de toute façon... Il y a les toits qui vont s'incruster dedans. Ah oui, mais si je peux aller quand même un peu plus loin. Je vais au moins jusqu'à là, je pense. Minimum. Parce que là, j'ai les toits qui vont partir... hop là je suppose. Ouais, les toits, ils vont partir en mode comme ça. Ok. Donc là, on a fait... Un côté comme ça. Oh, va pas trop vite. T'énerve pas. Je suis pas énervé. Hop là. Donc ça, c'est bon. Manger un petit coup. Ouais, on aurait pu mettre des piliers, mais en vrai, comme ça, ça passe bien. J'ai toujours mon lit. Tiens. Voilà du Bouddha. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Schlack. Si je fais F4... Non, pas F5. Qu'est-ce que... Oh, on a vu ma culotte. Oh, je me suis fait peur. Ouais. Fais voir. Ouais, c'est pas mal. Ok, là on a ça. Là on a dit qu'on n'y touchait pas, mais c'est normal parce que on va mettre un rebord en birch. Et le toit qui va dépasser de ça, d'un cran. Normalement j'avais calculé la hauteur et pour que ça soit pas abusé. De toute façon, on va faire un test. Hein. On va faire un test, donc on verra si c'est bien ça. Salut Valro. Ah, les vacances, ouais, très bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, les vacances. F5. J'ai fait un petit périple jusqu'en Haute-Savoie.
Je me suis arrêté à Beaune, d'abord à Vézelay, ensuite à Beaune, ensuite un petit peu à Lyon, et après, paf, en direction la Haute-Savoie, où j'ai retrouvé. Parce que j'ai ma deuxième qui habite là-bas, et j'ai ma première qui part habiter en Haute-Savoie aussi. Voilà, comme ça, j'ai mes deux filles qui vivront en Haute-Savoie. Tac et tac. Du coup, ça, on peut s'en faire moult. Bim. Et vu que je vais en avoir le double, j'en avoir besoin du double, je peux m'en faire deux stacks sans problème. Ici. Merci, bonjour. Ah oui, par contre, j'ai pas de torche là-bas, bon, c'est pas très grave. Ça, c'est la façade avant. Donc oui, il y en a. J'en ai mis, hein, là, normalement, oui, j'en ai mis. C'est bien, ça, dis donc, mon papeur. Prévoyant, incroyable. Ok. Non, vacances vraiment sympa. Puis c'est la Haute-Savoie, je connais vraiment bien, puisque j'y suis allé presque tous les ans depuis 1996. Comme j'adore la randonnée, et du coup, là-bas, il y a de quoi faire. Hein. Enfin, Savoie, Haute-Savoie, voilà. Donc du coup, j'ai fait pas mal de rando, tout ça. Je suis à l'envers là, non? Ouais. Faut arrêter. Hein. C'est pourtant pas l'heure de l'apéro. Ah si. Hop. Ok. Donc là, c'est la grande tour. Donc tac, tac, tac. Sauf que là. Je préfère vérifier. Ouais, là j'ai fait une cassure ici, mais en vrai ça passe bien. En vrai ça passe bien. Donc si ça passe bien, alors ça passe bien. Voilà. Ça m'a fait rire d'ailleurs pour ceux qui ont vu le film Monsieur Batignol. C'est vraiment un super beau film. J'ai bien aimé. Et à un moment il dit, mais à la fin du film, il dit « Mais tu parles pas suisse, toi ?» Il dit « Bon non, pourquoi ? Je savais pas que les Suisses y parlaient autrement. » Si, parce que là-bas, on dit pas « bonjour », on dit « bonjour ». C'est tellement vrai. Bon, en Haute-Savoie aussi, hein. Il parle un peu comme ça, tellement. Pas tout le monde, mais... On avait une voisine d'une maison que je louais souvent. Elle parlait vraiment comme ça, dis donc. C'était marrant. Salut Kenzuke, bienvenue. Faut déménager du coup, non. Moi si je déménage, en tout cas ça sera pas en Haute-Savoie. Moi je suis diepois, hein. Donc je suis... Enfin je veux dire, moi c'est la mer quoi. Et donc si un jour je déménage, de toute façon c'est pour aller, c'est pour retourner sur Dieppe. Si un jour je déménage, ce qui est pas sûr. Donc on verra bien. Pour l'instant on a encore nos parents, enfin j'ai ma maman qui habite toujours pas loin de chez moi, mes beaux-parents aussi, donc bon, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, mais on verra, selon ce qui se passe plus tard. Alors, vous voyez. Alors, pouette. Donc là, j'ai un côté comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais avoir un autre côté. Ah ouais, tu savais pas ça. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'escaliers. Qu'est-ce que je vais mettre comme bloc support? J'ai plus de sandstone, c'est un truc de fou ça. Alors, on va mettre de la sandstone normale pour le moment. Oh là, j'en ai mis un peu trop. Hop là. Ok. Et donc, à l'envers. Donc, à l'envers. Pour être, il suffit de bien viser. Choc. Et là, on repart dans ce sens-là. Choc. Choc. Et choc. Et choc, Norris, c'est ça ? Ou pas ? Merci, Mythicales qui a reçu pour son quatrième mois. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et merci beaucoup à Mandrin qui a offert un sub à Q26, c'est super gentil.
Voilà. C'est trop gentil. Très bien, très bien, très bien. Pourquoi j'aurais des problèmes avec Bagheera Jones? Non. En plus, elle est gentille, Bagheera Jones. Et en plus, elle a joué sur la map qu'on leur a fait Minecraft avec l'équipe du lundi et elle a kiffé. Alors, on n'a pas de problème avec Bagheera Jones. Bah, elle est sympa, en plus. Elle me fait rien. Ah, les Suisses. Bah, j'aime bien les Suisses, moi. J'ai plein d'amis suisses. Et depuis très très longtemps, en plus. Donc bon. Ok, donc là on est valide. Et alors, ici, non. Ici, en vrai, ce qu'il va y avoir... j'ai plus de sandstone, crotte de bitch. Bon, on va déjà poser... 5. Il va m'en manquer... Ah non, c'est bon. 1, 2... 3, 4, voilà en support. Mais là en fait il va y avoir au moins un bloc. Je vais partir en dessous, il faut qu'il y ait au moins un bloc d'écart. Sauf que même au-dessus il va y avoir encore autre chose, vous allez voir. On va remettre une tranche, pas de cake, mais on va remettre des blocs comme ça en fait au-dessus. Les grilles là. Bah tiens, je vais en mettre un et en fait les toits vont être à cet endroit-là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ici, s'il faut que je remonte. Hop là, hop là. En fait, ici, à cet endroit-là, voilà, on va avoir un bloc comme ça tout le long. Hop. Puis regarde, Reliante aussi, il est suisse, mon ami Reliante. Voilà. Ok. Alors, donc ça c'est bon. Je vais voir juste ce que ça rend, F4. Ouais, et puis là on va avoir les toits par-dessus. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Je vais avoir les toits juste qui vont, bah, qui vont partir dessus. Là, ça va être rigolo. Ça va être rigolo, vous allez voir. Puis c'est bien ce que ça fait des petits... ça fait des petits reliefs en plus. Très bien. Faut que ça change un peu, quoi. Ah non, faut pas que je me mette à parler comme ça, parce que... là, par contre, je suis obligé de faire comme ça, ici. Voilà, t'es bien. Oh, t'es bien, toi. Là, on repart ici. Pouette. Là, on est en mode build à fond, là. C'est ça qu'on aime. Un peu d'aventure, un peu de construction, et puis... en avant Guingamp. Tac, tac. Ok, donc là, je vais être juste là. Hop. Bon, c'est vrai que... Moi, je vous fais pas beaucoup de redstone, hein. Quand je dis pas beaucoup, c'est même pas du tout, hein. Ah, si, j'en ai fait un tout petit peu. Un petit peu, mais bon. Après, c'est pas mon... C'est pas mon cheval de bataille, hein. Pour ça, on a des grands professionnels, dont White Pierre, par exemple. Voilà. Et donc là, tout le long, bim. Ah, c'est, j'ai trouvé l'angle qui va bien. Donc là, évidemment, c'est notre façade qui est là. Allez, avance. Feignant. Ah, a pu. Oh, j'en ai déjà pu. Oh, bah crotte. Je suis monté comment, moi, là-dessus? Ah, bah, je suis monté avec les piliers. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas mis mes escaliers, là. Oh, l'escalier que j'ai oublié. Bim. Donc, ici, je vais avoir des blocs pleins que je n'ai plus. Ouais, bon, ok, j'ai compris. Il faut de la sandstone. De la sandstone, chers amis. Merci pour les follow, hein, bien sûr. Hein. Je dis pas tous les follow, hein, parce que j'en ai pas mal. Mais merci à vous. Vous faites le bon choix, bien sûr. Yahoo! Évidemment. Coucou Lynn!
J'espère que ça va. En chocolat, ouais. Alors, ça, je peux le mettre là. Je te jure. Les bâtons, on les met là. Donc nous, on récupère, chers amis, un peu de sandstone comme ça. Je crois que j'en ai plus de la smooth. Je pensais vraiment que j'en avais trop, puis en fait, non, tu vois. Tac, ça, on va le mettre là. Je vais transformer en escalier sur mon stone cutter, ici. Bim, bim. Bim, bim. On va se refaire un stack, hein. Bah bien sûr. Du coup, je vais pas en avoir assez encore. On va s'en mettre au moins 4 stacks à cuir parce que là j'en ai plus. Tac tac tac. C'est bon, il y en a plus. Attendez, j'ai une dalle toute seule. C'est comment perdre de la place en une seule leçon, tu vois. Là c'est pareil, j'ai 3 cuts qui se battent en duel, 3 smooths qui se battent en duel. Bim et bim. Allez. On va en mettre un peu à cuir. En plus j'ai assez de charbon, donc c'est parfait. Un petit peu par là et un petit peu par ici. Voilà, c'est bien. Ah, il fait nuit. Bon, on va pas faire trop les kékés, hein. En plus j'ai pas éclairé le haut. Ça pourrait spawner. It will be dangerous. So be careful. Pensez à boire un petit coup, les amis. Hein. C'est important. Hein. Ah oui, il faudra que je fasse le rendu de mon épisode de Star Wars. J'en ai sorti un tout à l'heure. Enfin, qui était la rediff de live, hein, puisque c'était la découverte. Mais j'ai fait la suite. Bon, par contre, j'ai fait moins d'une heure parce que après, ça fait long à regarder. Hein. J'ai dû faire 40 ou 50 minutes, je sais plus. Moi je me suis un peu fail, mais pour ceux qui regarderont, on verra, c'est marrant. Hein, c'est marrant. Je pense que j'en ferai demain en live aussi, à mon avis. Je pense, parce que j'aime bien quand même, hein, j'aime bien. C'est pareil, des blocs comme ça, j'en ai presque plus. Alors, on était dans les escaliers là pour le moment. Quelle hauteur F4, que je regarde au niveau de la hauteur, ici. Schlock. Donc il y en a un ici, et donc là il me manque un bloc, bien sûr. C'est quand même pratique ça, hein. Super pratique. Donc un bloc là, on se recule un petit peu, on prend des escaliers normaux, non chaiselés, non... Ok, ça va pas le faire ça. Tac, voilà. Comme ça, et on va mettre un là. Évidemment je me suis trompé, sinon c'est pas drôle. C'est lui. Tac. Et tac. Et voilà. Donc là, on est bon. On récupère les échafaudages. On remonte peu importe où. De toute façon, plus tard, il y aura des escaliers. Hein. Bien sûr. On va pas faire tout à l'échafaudage. À l'échafaudage. On va remonter comme ça. Ah, j'ai oublié un truc. J'avais mis des trucs comme ça. Juste où? Juste là. D'accord. Tac. Et j'en avais mis juste... Attends, je les ai mis en face ou pas en face? J'arrive pas à voir. Ah bah je suis bête. 2, 3, 4 de libre, c'est au 5e dans mon HLM. 1, 2, 3, 4 de libre au 5e dans mon HLM. Donc ça va être ici et là. Voilà, c'est bien. F4. Un petit peu de recul. Not bad. Ouais, ici je vais mettre. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme bloc. Du birch, à mon avis, ça sera pas mal. Je mettrai du birch. Ouais, ça sera sympa en birch. Ça sera cool. Ça va le faire, ça va le faire. Salut Fonzie! Oui, Mandrin, le petit véhicule là, il est marrant.
C'est marrant, c'est vrai que ça va plus vite hein, pour le déplacer sur une planète. Ouais ouais ma chérie, je suis fan de Star Wars depuis très longtemps puisque j'ai vu le. J'ai vu tous les épisodes de Star Wars. Enfin tous les films de Star Wars, je les ai vus au Grand Rex, en IMAX. Sauf le premier. Le premier, je sais plus en quelle année, il est sorti en 74 ou un truc comme ça. Et donc le premier, je ne l'ai pas vu au Grand Rex, mais tous les autres, oui. Voilà. Donc 77 ? Ouais. Alors, pas au taquet ! Voilà. Ah, gna 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 gna. Ah, j'ai pas vu Mandalorian, ouais. J'ai pas vu. Voilà. Par contre, j'ai mon beau-frère qui a le livre de Star Wars. Enfin, tout ce qui a été inspiré, tous les... Faudrait que je retrouve... Parce que c'est avec mon beau-frère. Parce qu'en fait, avant qu'il devienne mon beau-frère, on était meilleurs amis avant. Et donc, du coup... voilà. On se disait... on faisait plein de trucs sur les Star Wars. On s'est fait des nuits Star Wars. Oh, purée. Mais c'est ça date, hein, c'était il y a quelques années. Là, on va se mettre un bloc comme ça, ici, puisque là, il y avait la cassure hein, qu'on avait. Ok, ça c'est bon. Et pas là. Là. Ça repartait là. Hop. Et hop. Ouais. Mais moi, je suis un puriste. Moi. J'aime que les vrais, moi. J'aime pas les trucs... Non, je rigole. Alors, j'aime beaucoup l'univers de Star Wars est quand même délirant quoi. C'est quand même fou quoi. Mais bon. Est-ce que je vais mettre des blocs comme ça ici? Je suis. Bon, on va voir. Je vais voir. Bon, attendez. De toute façon, pour le moment, il y a ça, ça. Là, je vais avoir assez pour faire le tour, donc c'est génial. Ok. Ici. Comme ça. Bim. On va s'en sortir, hein, je vous le dis, moi. Pam, pam, pam. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est super. Oh, que oui. Ah, il était coincé, dis donc. Il voulait pas me le mettre. Titre. Alors ça c'est bon. Tchac. Et enfin on termine de ce côté là. Ah ouais. Ah il est comme ça lui. The Last One. Et yeah. Bim. Parfait. Pour le moment on va faire poète poète. Voilà. Je te fais poète poète. Il me fait poète poète. Ah j'en ai plus non plus du teuf. Crotte de bique. Et si j'avais pas été en chercher du teuf, je me rappelle plus. Ça m'étonne. Bon là, de toute façon, je sais que j'aurai une épaisseur de comme ça. Mais on va mettre... il va y avoir un endroit où il y aura du birch à cet endroit-là. Je pense que je vais mettre une dalle de birch qui va dépasser ou un truc dans ce style. Parce qu'un escalier... Ah, on a deux escaliers. Un escalier, ça pourrait être pas mal. Sur toutes les longueurs qui vont être là. Devant, en fait. Bah bien sûr. J'ai glissé, chef. Hop là. Ah, sacré Anne. Hop. Bim. Là, y a... Ah non, j'ai fait... j'aurais pu me faire avoir de la même manière encore. Hop. Hop. En fait, le toit, il va partir plus... Il va pas partir au même endroit. C'est ça qui est marrant. Tac. Donc là, ici, effectivement, on va voir... Bon, c'est des blocs de soutien. Tac. Tac. Voilà. Et les toits, en fait, ils vont partir de là. Enfin,
ceux qui sont ici du moins. Voilà. Parce que notre toit sera plus avancé. Il sera un peu plus avancé. J'ai eu chaud encore, j'ai failli me croûter. Oula. T'énerve pas, tout va bien. Voilà, tout va bien. Bon, par contre, j'ai pas mis beaucoup de torches là-dessus. Va falloir faire attention. Alors, on va avoir aussi besoin de beefsteak. Oh, décidément. Alors, attendez, on va faire un point sur ce qu'on a, sur ce qu'il nous faut. Ça va, mon clapin, hein, sans pépère. Là, il y a des torches, donc tout va bien. On repart ici, on redescend par là. Il repassera par ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui reste comme teuf? That is the question. That is a good question. Il m'en reste un peu quand même. Ça va. Pour l'instant, ça va. J'avais peur qu'il m'en reste beaucoup moins que ça. En vrai, je peux m'en faire easy 2 stacks. Parce que j'aurai les tours, j'aurai les machins. Ça sera pas mal. Je vais en avoir besoin pour derrière. Ouais, les 2 stacks, ils vont être mangés sans problème. Donc, hop, hop, hop. Hop. Donc, un stack, c'est celui-là. Et un stack, c'est... Non, bien sûr. Il est fou, hein, Flelou, il est fou. Hop, et hop. Ok, on récupère ça. Ça, c'est bon. F4, je sors de mon corps. Je regarde au niveau des hauteurs. Ouais, on a quand même à mettre ici, ici, toute la façade avant, même s'il va y avoir un balcon. Ouais, je vais quand même en avoir ici. D'ailleurs, il y a des ouvertures au-dessus, je sais pas à quoi ça correspond, mais on va le faire un peu à notre sauce. Là, il va y avoir du birch, et là, le toit, en fait, il va partir là. Bim. Ok. J'ai ça et ça terminé encore de ce côté-là. Mais bon, ça avance gentiment, dis donc. Voilà. T'as mis son beau, mes chiens. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Moi, j'en ai juste 2 races. Hein, Et, mais il y en a d'autres. Il va falloir que j'aille en expédition pour aller en trouver. Mais d'ailleurs, il m'en manque un. J'en avais 4, des comme ça. Il n'y en a pas 2 l'un dans l'autre. Non. Bizarre. Ou alors, j'ai oublié de... Ah, j'ai peut-être oublié d'en reproduire un. Ouais, bon, c'est pas grave. Ou c'est un chat qui l'a mangé. T'as mangé le chat? Hein? Dis donc. C'est pas des croquettes, les toutous? Non, bien sûr. Le jour où les chats mangent les chiens, c'est qu'il y aura un problème. Alors, en attendant, on se rappelle que... je sais pas si j'en ai assez. Alors, attendez. J'ai un truc qui me saoule. Ça, j'ai pas besoin. En vrai, ça non plus, pour le moment, hein. Oh, on va mettre ça là. Et on va se récupérer la smooth sandstone qu'on a mis à cuire. En plus, ça fait un peu d'XP. J'ai toujours pas. C'est vrai que j'ai. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de me faire? Ah, une houe. Faudra que je me fasse une houe en netherite quand même. À l'occasion. C'est en bas. Donc le smooth. Pouce smooth. Et bim! Ça va là-dedans. Ok. Parce que pour l'instant, du smooth, j'en ai plus besoin. Pour l'instant, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de... d'escalier en birch. Ça, j'en ai besoin de pas mal. Alors ça, je vais ranger ça. Ça. Et... Ah oui, mais les escaliers, on peut pas... On est obligé de... Crotte. On est obligé de les faire en comme ça, les escaliers. Ok. Tac. Combien j'en ai? Attention, il n'y a que les fonds. Je pense que je pourrais en faire un tout petit peu plus. Monsieur Cadbury. Ah, c'est bon. 48. Ça va peut-être aller. En vrai, ça va peut-être suffire. On va voir. Alors. Hi-ha ! Oui, son vanilla. Ouais, son vanilla, les chiens. Ils ont mis plusieurs races de chiens. Tout ça, c'est quand même bien sympa.
C'est bien cool. Ok. Bon, on est bon là. On est super bon les amis. Ouais, vous allez voir. Alors déjà, on va mettre partout où il y a besoin. La Choiseul Tuff. Hop. Bon, j'avance surtout ma façade, mais il va falloir que je m'énerve sur l'arrière et les côtés aussi quand même. Mine de rien. Quand même. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Oula, on a eu chaud. Voilà. Alors, sachant que comme mon toit, il va commencer ici, je vais mettre ça. Il faut que mon toit, il commence... Ah ouais, facile. Au moins deux blocs en dessous. Donc, mon toit, il va démarrer là. Il va reposer, ça va reposer là-dessus. Ok, donc ça c'est good. Là je sais pas encore avec la jonction du toit. Surtout que ça va monter de 2 en 2, hein, donc ouais, vous me direz. Je suis en train de m'enquiquiner. On va lui en mettre partout. Et puis c'est tout. Allez, hop. Non mais, sans blague. Du coup ici... Là, j'aurai juste un escalier et là, je vais monter de 1, 2. Ouais, on va monter de 2 à cet endroit-là. Donc là, en fait, ouais, c'est pas gênant. Je peux en remettre un quand même ici. Bim. Je peux même en mettre un, comme j'ai dit, à cet endroit-là. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas monté le truc ici. Bah là! Allez, il faudra boucher le mur. Qu'est-ce que j'ai mis comme bloc? Pourquoi j'ai mis... Ah oui, j'ai mis de la sandstone comme ça. Ouais... J'en ai plus sur moi, là. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va faire pouette-pouette. J'en ai mis un de trop. Ok. Et ici, parfait. Donc là, j'ai mon toit qui va continuer à cet endroit-là. Je pense qu'au niveau couleur et tout, ça fera sympa. Ok, donc ça c'est good. Ici, on refait le tour. Ah oui, c'est la façade. Alors là, la façade... je vais avoir un genre de balcon au-dessus, mais ça, on verra ça... Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Ou alors je le fais un cran encore au-dessus. Oh non, ça va être abusé. Comment je me la joue l'histoire? Puisque je vais avoir un balcon. Ah, c'est pas réfléchi. Alors du coup, ça je vais le mettre que là. Et là, en fait ici, on va mettre... parce que si je mets des blocs comme ça, ça se verra pas. Par contre, si je mets un bloc comme ça avec des machins par-dessus, ça se verra. À quel niveau? Alors là, attendez. Le toit, là, je vais avoir un escalier. Allez, escalier. Qui va être ici. Et donc là, je vais avoir un bloc plein. Et là, donc, encore un escalier qui va être là. Donc là, en vrai, je peux mettre un bloc support. Comme ça, partout. On va se mettre un bloc support comme ça. Et je vais avoir un petit truc qui va... Ouais, on va mettre ça partout. Oula. Pam, pam, pam. Hop. Ok. Et je vais avoir le début de mon balcon qui va être après. Touch. Et donc j'ai dit... J'ai dit... jusqu'à là. Et tchac. Ok, c'est bon. Alors, escalier. Alors, par contre, du coup, j'en aurais pas assez. Des escaliers en birch. Il va falloir que je m'en refasse quand même. Ouais, au niveau des couleurs, ça fera plus joli. En faisant un truc comme ça. Et je vais garder, pour les tours, on va garder ce bloc-là. Comme ça. Ouais, une certaine cohérence, entre guillemets. Ok. Ici... Bim, on va repartir avec les escaliers. Ouais, c'est pas mal ça.
J'en ai pas assez. Vous êtes sérieux? Regardez, il m'en manque deux. La grande classique dans Minecraft. Grande classique. Hein. Voilà. Alors, c'est pas un toit en planche, c'est des... Comment ça s'appelle? Tu sais ce qu'il y a sous les toits, là? Mince, ça porte un nom... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des bonus gift sub du... En septembre. Ouais. Alors, comment ça s'appelle, là? Des cache-moineaux. Voilà. Donc ça, c'est un cache-moineau. Non, c'est pas une charpente, c'est des cache-moineaux. Et les cache-moineaux, vous pourriez regarder sur vos maisons, pour ceux qui ont des maisons ou chez des parents, et ben c'est en bois. Voilà. Les cache-moineaux. Bon, donc du coup, j'ai pas assez de trucs en birch. Mais et, oui, puis il m'en manque là-bas aussi, je crois. Attendez que je regarde un peu. Ouais, pour les tours, ça fait bien hein, d'avoir fait un petit rappel de ça. Et là, par contre. Comme on va voir des genres de... Un genre de balcon. Ici, le toit, il va monter beaucoup plus haut. Cette partie-là, il va monter plus haut que l'autre. Hein. Ça dépasse pas mal, en fait, pour dire la vérité. Hein. Oh que oui! Oh que oui! Et l'intérieur, il sera en sandstone. Mais ceci sera une autre histoire. Alors, du coup, ce qu'il faut que je fasse... Regardez-moi tous ces zigotos, là-bas. Eh, les gars! Ça va? C'est vrai qu'on a plus le... On a plus le machin. Allez, premier qui se pointe. Oh. Oh, pouille. Ça me fait rire. Allez. Et pouille. T'en veux encore une? Et voilà. Bon, c'est bien. Il est bon coco. Hop, et hop. Ah oui, on a dit que je vais faire une houe aussi. En netherite, puisque je vais en avoir besoin. Ça, c'est vachement bien que maintenant, on a une potion et qu'on n'a pas le... Qu'on n'ait pas le bas domaine systématique. C'est quand même génial. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est tout? Il n'y a pas d'autres morts par là, non? Non? Non. Ok. Alors, deux choses. De deux choses l'une. De deux choses l'une, l'autre, c'est le soleil. Jacques Prévert. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est des potions de bas domaine. Mais non, c'est pas un mauvais présage. Absolument pas. Regarde bien. Bim. Et pan. Ah oui, oui. Oui, oui, le bas domaine, c'est... Oui, oui, c'est... D'accord. C'est le... Ça s'appelle mauvais présage en français, c'est tout à fait vrai. Lol. Alors, je m'étais pas fait de houe, moi. J'avais pas fait de houe. Pourtant, j'en ai deux comme ça. Tiens, c'est étrange que j'avais pas fait de houe. Une et... Eh ben, on va s'en faire une. Eh, dis donc, ouais. On avait dit... Pan-pan... Comme ça, on va l'enchanter. Voilà, toujours besoin d'une houe en netherite pour les feuillages et tout ça, très important. Et pan, voilà, ça c'est bon. Vu que j'ai 32 levels, hein, on va pas s'embêter. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. Qu'est-ce que c'est? J'ai un smite. Ah oui, mais je n'irai pas le mending tout de suite. Ouais, faudrait que je me refasse un livre mending. Alors, tac. Unbreaking 3. Unbreaking 3. Bon, bah écoutez, c'est mieux que rien. C'est pas si mal. Marqué, je crois pas qu'il aurait pu me donner. Non, il n'est pas là, papa. C'est un coup, ça tord. Alors, du coup. Et. Pan. Faut refermer. C'est lui qui me file du mending. Non, ça c'était le Feather Falling. Non, c'était lui, je crois. Ouais. Combien de vœux, 10 émeraudes et un bouquin. Pardon. Pousse-toi, toi. Je te préviens, ceux qui passent meurent. J'aurais prévenu. Ouais, mais après, ils vont m'augmenter les prix. On va éviter.
Oh, j'ai pas beaucoup d'émeraudes, attends, attendez. Qu'est-ce que... Des carottes? Des carottes. Bon, je vais quand même en prendre. Puis en plus, ça va me faire baisser le prix. Ça va me faire baisser le prix, de toute façon. Tiens, allez. Je pense que ça ira. Allez. Plus on échange avec les villageois, plus ils sont cool. Je vais fermer. Il voulait vraiment se barrer. Tu as des carottes, vieux? Bah bien sûr. Tiens, l'autre aussi, peut-être qu'il en veut. Non, c'est pas lui. C'est toi. Oh non, bah lui, c'est patate faillot, lui. Tiens, regarde, il fait des bulles. Oh, il fait des bulles, tchou pépère. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, là, j'en ai plein de monde. Allez, encore. Et allez, c'est pas mal, ça. Oh, il est content, dis donc. Qu'est-ce qu'il échange d'autre? Une émeraude 18 cookies. C'est bien, ça. Pour ceux qui veulent des cookies, ouais, bon, lui, on va le laisser. Alors, est-ce qu'il m'a laissé le même prix, lui, du coup? Il est où? Il est là. Ah ouais, il a laissé à 10. Bon, c'est avec lui qu'il faut échanger, c'est ça? Ouais, non, on va pas s'embêter. Allez, 10 émeraudes. Ah, j'ai oublié le bouquin, crotte de bitch. Je savais bien. Tu m'as reconnu. J'ai oublié le bouquin. Ouais, ils ont soif de liberté. Ils ont soif de liberté. Ils vont pas nous saouler non plus. 300 euros. Ouais, c'est bien. Tac. Je te jure. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et hop. Me pousser. Alors un bouquin, 10 émeraudes. Mandy, merci madame. Bonjour madame. Au revoir madame. Voilà, on referme les portes. Hein. Ça c'est la double sécurité, ce qu'on les connaît les bétails, hein, bien sûr. Alors hop 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 hop. Donc ça, ça va là-dedans. Non, ça marche pas avec tes carottes. Mandy. En vrai, j'ai pas besoin d'avoir comment ça s'appelle? Pour que ça aille plus vite, parce que en vrai, ça va super vite, hein. Une houe en azurite, ça va super vite. Donc on va lui mettre directement 1, 2, 3, 4. Ok. Et schlac. On va faire cuire ça vite fait. On va se prendre des petits lingots d'or. 4 lingots d'or. C'est bon, hein. On va se mettre un smithing comme ça. Est-ce que... qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la copie de ça, déjà? Je vais m'en faire une copie tout de suite. Hein. Il faut... c'est ça qu'il faut, là. Il faut un truc comme ça. Et il faut des diamants, hein, je crois, pour faire une copie. Oui, c'est ça, d'efficacité, ouais. Ouais, j'avoue, on respecte plus les droits des PNJ dans Minecraft, c'est honteux. C'est un scandale. Allez, un lago de Netherite, 4-4. Codec. Donc ça, c'est bon. Alors, pour faire ça, il me faut des diams. Je sais plus combien. Tac, et tac. Voilà, c'est ça. Donc là, on en a deux. Comme papa, donc c'est bien. Et la houe en netherite. Alors, pour faire une houe en netherite... tac... Non, qu'est-ce que je fais là? Ça y est, il est fou. Il est fou, Afflelou. La houe... là où sur la montagne? Non, c'est pas du tout ça. En plus, je suis pas dans le bon. Voilà, c'est ça. Il faut le lingot de netherite qu'on met ici. Et il faut un truc comme ça, ici. Et... Oh, la belle houe. Bim. Et voilà. Serious dedication. Très bien. Très, très bien. Donc là où on va la coller avec les copains. Très bien, ça, madame Chonchon.
Ça va, Verlico? Ouais, ça va bien. Ça va fort. Salut, Métanil. Ah, ok, bisous, Valero, bon app. Attendez, j'ai pas rangé mes diams. Ma Silk Touch, je vais la laisser là parce que je me connais. Des carottes, tout ça, j'en ai. J'en ai plein dans mes champs, j'ai des champs en dessous, hein, au sous-sol là. Donc qui me fournissent largement ma pitance. Et donc c'est bon. Alors on a dit qu'il nous fallait. Je pense que je vais ranger ça en attendant. Que je n'ai plus besoin pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ça, ça va aller là. Ça, c'est de la smousse aussi. Ouais. Tac et tac. Voilà, pour le moment, ici. Ensuite, ça, ça me dérange pas, je peux le garder. Et donc, on va faire le début du dessin du toit pour que je me rappelle. Je pense qu'on va monter de deux en deux, hein. On va pas s'embêter. Par contre, Birch, j'ai bien fait d'aller en chercher plein tout à l'heure. Voilà, choc. Ok. Paf. Alors là, par contre, on n'a pas le choix. C'est obligé de le faire comme ça, ça par contre c'est embêtant. Mais c'est comme ça. Et pan. Voilà, donc ici. Qu'est-ce que je fais? C'est là? Ouais, c'est là. Et bim. Donc ça, ça va être les cache-moineaux, chers amis. Et il refait nuit. Purée, mais il fait tout le temps nuit dans le jeu, c'est incroyable! Bisous Mélanie! Bonne soirée. Tiens. Et pan. Ah ça y est, un pub beefsteak. Je mange et j'ouvre les coffres en même temps. Il est trop fort. Du coup, avant de faire un gros massacre, quand même, Monsieur Pépère. Ouais, on va. Bon. Voilà, on va se prendre un peu de papaye. Hein, comment est-ce qu'on ramasse la papaye? Avec une faux fourche. Bien sûr. Très connu. Le projet, c'est de faire un château Renaissance. En mode hardcore, hein, bien sûr, hein, j'ai qu'une seule vie. Hein. Et avec des beaux jardins à la française devant. Voilà. Donc, par contre, il va falloir que je m'énerve, que je fasse bientôt une ferme à faire, quand même. Parce que, sur les toits, il va y en avoir du fer. Je te le dis, moi. Hey, qui veut mes crêpes aux œufs? Ça, c'est bon. C'est bon. Faut faire attention au bébé, c'est ça qui est. Combien j'en ai là, des beefsteaks? 10. Enfin, un peu plus. Y'a pas de bébé là? Bon. Ça va. Combien j'en ai? 20 beefsteaks. C'est bon. 20 beefsteaks, ça va. Là je suis, voilà, c'est bon. Ça va les gars? Ça farte? Bon, on regardera pas. Hein. Faites ce que vous voulez. Je te jure. Allez, bim, bim. Et on va remonter gentiment. Gentiment. Ok. Oula, dangereux cette histoire. Et on va pouvoir placer nos machins. Et après, ah oui, c'est pas une idée. Est-ce qu'il en manquait? Il en manquait, je sais plus où. Je me rappelle plus. Bien l'archipel. Voilà. C'est marrant. Moquet.
Je sais plus où est-ce qu'il en manquait. Je me rappelle plus. Bon, on va voir ça. Alors déjà ici, effectivement, j'ai dit que je vais avoir un genre de balcon à cet endroit-là. Là, je vais avoir un genre de balcon ici. Ok, donc on va effectivement... Voilà, ça c'était les blocs support. Je vais juste regarder que ça choque pas. Je pense que ça va le faire. Bon, alors évidemment pas là, puisque là, je vais voir la tour. Je vais voir la tour. Ah, évidemment, j'ai déposé tout mon... Ah, crotte de bitch. Bon, c'est pas grave. Ici, ça sera le début. Attendez, j'ai mon tout main. Je vais avoir... Ici, ça sera le début de... Ouais, il y aura un autre truc. Donc là, ça sera la tour qui sera badass. Donc là, ici, balcon. Enfin là, il y aura un autre balcon. Il y a un balcon qui sera un peu plus grand. Mais là, il y a un petit contour avant les toits qui est juste là, en fait. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est que... là, c'est un toit qui est plat à cet endroit-là. Là, j'en ai mis ou pas, bon, on verra, peu importe. Le toit, là, il va être plat. Là, vous voyez, le toit, en fait, il va... Il sera en quinconce. C'est pas une idée qu'il en manquait une quelque part, ou je sais plus quoi. Non, je sais plus. C'est où qu'il manquait un bloc? C'est là-bas, non? Ah oui, en bas, là. En bas, là-bas. Tchac. Donc ça c'est bon, et non là j'en avais partout, non j'en ai pas partout, il m'en manquait aussi là des blocs comme ça. Hop là. Voilà c'est ça, je m'en rappelle maintenant. Tac, c'est bon ça. Et voilà, donc là on est ok. On est ok. J'ai entendu un bruit étrange. Bon, je sais pas qu'est-ce que c'est. Là ça fait un peu haut. Un petit peu haut pour descendre. Ok, ok. Alors, on va commencer à faire le début du dessin du toit. Ah oui, mais zut. C'est dangereux. Tout dangereux. Tac. Bon, on remet derrière nous, de toute façon, c'est juste pour descendre que je fais ça. Ok, il me faudra quand même un peu de sandstone. Là, on va descendre gentiment, hein. On va éviter de péter nos bottes trop vite, bien sûr. Ah ça y est, ils sont partis dans les archis machin. Archipamentier, c'est bon ça. J'aime bien le archipamentier. L'archimède, tout ça. Ah oui, si, je voulais vous montrer aussi comment je faisais de l'XP pour ceux qui n'avaient pas vu. Parce que c'est drôle, comment je fais de l'XP, moi, pour l'instant. Enfin, comment je répare mes outils, en fait. Je commence par quoi? Bah, ouais, en fait, je sais par quoi je vais commencer. Non. Je vais d'abord faire le... une avancée de toit, vite fait. Tac, non, c'est là le birch. Birch et birch. Ça d'ailleurs, j'en ai plus besoin pour le moment. Ça me gêne pas. Ça, c'est pareil, j'en ai plus besoin pour le moment. Ça ne me gêne pas non plus. Même si j'aurais pu en mettre sur les piliers, ça aurait fait joli. Je vais regarder juste pour les piliers. Vous allez voir. Parce que les piliers, je veux continuer à monter. Par contre, j'aurais balcon là, balcon là. Et les toits. Alors le dessin des toits. Toit, mon toit. Alors ça j'en ai, hein. On va pas manquer tout de suite. Alors je vais pas en faire beaucoup, c'est juste pour montrer vite fait le truc comment il va être. Hein. Tac. Tagazou, tagazou. Donc ici. Non c'est pareil. Au stone cutter. Bien sûr. Sinon on va en perdre de trop. Allez, ici, et là, oui, voilà, on récupère ça, j'avais dit que je reprenais un tout petit peu de sandstone vite fait,
Ouais, j'en ai pris beaucoup de trop, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Ah, c'est super gentil. Salut à toi, Zlirk BDS, qui a reçu pour son 3e mois. Voilà, je te souhaite un bon stream et merci beaucoup, c'est super gentil. Ok, ah oui, va prendre des prunettes. C'est mieux ça plutôt qu'elle laisse des traces sur le tapis. Et tu lui feras une petite caresse de ma part. Alors, ça va Rockmoot? Ok, ok, ok. Voilà. Bim. Ok, donc ici, j'ai dit que, au niveau de la hauteur, est-ce qu'on est au même niveau que ça? Je crois que oui. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, juste pour que ça fasse joli, c'est ça ici, ça ici. Ok. Normalement, si je me suis pas trompé, on va être à la même hauteur que le reste. Hein. Regardez-moi ça, si c'est bio. Oh, qu'est-ce que c'est bio? C'est dingue. Oh, ça va le faire, ça. Ok. Eh bien, super. Magnifique. Incroyable, extraordinaire, merveilleux. Voilà, bon, voilà, c'est bien. Alors, pouette. Donc là, en fait, c'est... je vais avoir une tour à cet endroit-là. Est-ce que je rajouterai pas un pilier que j'ai... Si, je vais rajouter un pilier. Vous allez voir. Hop, hop. On va s'en faire 1, 2, 3, 4. Bim. Quoi? J'en ai 4, j'ai dit. Voilà, c'est bien. Qu'on va mettre au même level que ça. Juste ici. Ok. Pour montrer que c'est du solide, hein, ça. Enfin, pas là pour rigoler. F4. Je regarde. Hein. Ouais, c'est bien. Comme ça, vous voyez, ça s'aligne avec les petits piliers qui sont devant. Et malgré tout, il y a quand même de la profondeur. Donc c'est bien, ça fait du détail. C'est super, c'est merveilleux, c'est incroyable. Merveilleux. Alors, donc ça, c'est bon. Pour les escaliers, alors... le toit qui va être là, en fait, techniquement, je vais le monter de deux tout de suite, mais à partir de là. Donc normalement, j'ai pris un peu de sandstone. Je sais pas encore comment est-ce qu'on fera le toit, mais c'est pour que vous compreniez comment ça va faire. Hop. Ok. Ok. Ouais, il fait nuit. Il fait nuit, on a intérêt vraiment à mettre de l'éclairage sous peine de la mort. Sous peine de la mort. Non, sous peine de gros danger. Très très gros danger. Danger de creeper. Et d'ailleurs, on sait pas quoi. Hop. Et voilà. Salut Fly DT. Voilà. C'est bien ça, hein? T'as vu ça? Bim. Alors, je récupère encore des blocs comme ça, qu'on va mettre tout le long. Ici. Ok. Alors là, en fait, j'ai plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités de toit. En vrai, j'ai envie de faire un toit comme dans le Nord. C'est-à-dire que dans le Nord, vous n'avez pas les briques apparentes tout de suite, enfin les tuiles apparentes tout de suite. En fait, vous avez... attendez, faut que j'ai la place de passer ici. Donc en fait, mon toit, il va démarrer là, sauf que c'est pas ces blocs-là, c'est ceux-là. Choc. Jusqu'à là. Ok. Donc là, j'aurai des barrières. Hein. On mettra des petites barrières jolies. Ici, là, comme ça. Et en fait, à cet endroit-là... Bon, bah là, évidemment, ça sera des barrières d'apparat, mais on s'en fiche. Deux blocs. Voilà, ça va faire un truc dans ce style. Voilà, ça va faire un truc dans ce style-là.
Et donc à l'intérieur ici, on va avoir... allez, escalier ici. Ok, donc là j'aurai ma tour. Je n'avais pas récupéré ça. Là j'aurai la tour hein, qui va repartir de là. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs, je vais mettre des igouigouis là-dessus, on verra ce que je mets. On verra ce que je mets là-dessus, mais là il y aura une tour, la tour qui passera. D'ailleurs, logiquement, il devrait y avoir un passage. Là. Voilà, là il y aura forcément un passage ici. Logique. Ah, c'est logique. Ok. Et puis là, on verra ce que je mets. Je mettrai un décor ou que sais-je. On va faire un truc comme ça. Ah, ça arrive pas au bon endroit. Bon, c'est pas grave. On le saura. Ça, c'est pour monter pour le moment. Ok. Mais je mettrai un petit décor là devant. On verra court. Je te dis court. Schlac, schlac. Il m'en reste encore. J'ai bien fait d'en prendre plusieurs. Et tac. Ok. Et donc là, le toit repartira ici. Non, pas là justement. Sbre. Voilà, puisqu'ici, en fait, on va avoir un bloc plein. 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Et puis là, escalier. Etc. Et ça continuera à monter gentiment de 2 en 2. Alors ce toit là il sera quand même assez badass, il sera quand même assez gros, voilà, et puis là ça continuera bien sûr. Hop là. Magouré ici. Merci beaucoup Styx qui reçoit pour son 6e mois. Salut roi la forme, merci pour les lives toujours chill et bienveillant. Ah oui, ça toujours chill, des fois pas toujours, des fois ça fait peur. Je rigole. Mais bienveillant, ça toujours. De toute façon, quand t'es quelqu'un de bienveillant, tu fais forcément des lives bienveillants. Ça me paraît logique. Ok. Pas mal. Alors, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, là, ça sera l'intérieur de la tuture. Ok. J'en ai pris combien des blocs? Ouais, pas tant que ça, mais c'est pour montrer. Et après, j'avais dit que je montrerai. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez, qu'est-ce qu'il fait là? N'importe quoi, mon vieux. Perdu mes blocs. Crotte de bique. Voilà, là, ça va monter comme ça. Hein. Choc, choc. Bon, etc. Miam, 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 miam. Donc ici, pot, 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 pot. Voilà. Et là, par contre, alors là, ici, par contre, mon toit, je vais démarrer pour avoir mon décalage F4. Il faut que j'ai au moins deux blocs d'écart. Ici. Donc là, en vrai, je vais démarrer directement par un escalier. Ou alors, on peut faire bloc plein et dalle pour faire dépasser, mais ça va faire dépasser de trop. Et pour un truc renaissance, ça faut pas faire trop dépasser, ça va faire bizarre. Donc du coup, je pense que je vais attaquer comme ça plutôt, le toit. À mon avis, ça fera mieux. Et après, on monte de deux en deux, évidemment. Donc en fait, on monte de deux en deux. J'aurais pu rajouter un bloc derrière, là, comme ça. Comme ça, et là, par contre, de deux en deux, à partir de là. Tac, 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 tac. Tac tac. Ok. Ici. Et là, effectivement. Qu'est-ce qui prime? Plutôt le toit. C'est ce qui me paraît plus logique. Plutôt le toit. Comme ça. Donc là, bloc plein. Ouais, c'est plus logique. On arrêtera le contour ici. De toute façon, il faudra bien un endroit pour rentrer. Sinon c'est un balcon qui sert à rien, donc il faudra qu'on trouve un endroit pour rentrer quelque part. Tac. Il y en a plus. Bah je suis bien sûr, il y en a encore. Voilà. Et là pour les toutours. Pour les toutours, eh bien.
Alors eux, dans celle qu'ils ont dessinée, ils ont rajouté un bloc de birch. Je suis pas très fan. Je suis pas super fan de ce qu'ils ont rajouté. Moi, du coup, je pense que pour le contour, on va mettre ça pour les tours. On va faire un dégradé avec ça et je vais mettre des dalles, en fait. Je pense que ça fera plus joli, à mon avis. On va mettre des dalles dessus. Je pense que ça sera plus joli. C'est-à-dire que on va prendre ça. Ah, il est 8h20, il est 8h20. Ça passe trop vite. Voilà, quelques dalounettes cendrées que nous allons mettre là, là, hop, hop. Et comme c'est des tours, bien sûr, là par contre, un peu plus d'amplitude. Donc du coup, juste un bridou. Attendez, il est où le bloc ? Il est là, voilà. Tchac. Et tchac, très bien. Voilà, donc à cet endroit-là, même si on veut abuser, je pourrais presque rajouter une dalle ici. On verra... Si ça manque de rondeur, on en remettra une. Hein, parce que dans les ronds, entre guillemets, hein, dans Minecraft, là, vous avez jamais du 5, 3, 1. En fait, vous avez du 5, 1, 2, 2, et etc. Ça repart comme ça. Un coup de barre et ça repart. Voilà. Donc là, on va pas être mal. Et effectivement, ici, je vais... On bloque. Là, je vais avoir. J'ai plus de sandstone, mais bien sûr qu'on a de la sandstone. Hop, 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 hop. Comme ça. Donc là, je vais avoir ça, ça qui va aller là. Ok, oui. Juste là. J'ai mis juste un escalier. C'est pour rattraper le petit décalage. Voilà, là on est bon, là rebloque plein, parfait, parfait, et bim, et tchac, elle est pas belle la vitre, eh, incroyable, extraordinaire, merveilleux, et donc là elle est tout autour. Alors je vais pas faire tout le toit complet parce que je sais pas à quel endroit, ah, puis en plus j'en ai plus. Crotte. Bon, c'est pas grave. On va faire au moins le contour comme ça. Voilà, là par contre j'ai du 2. Donc ça c'est bon. Donc etc. Faudra repartir de l'autre côté, mais ça donne un bon ordre d'idée des différences de niveau qu'il va y avoir. Alors, si je repars par ici. Pour l'instant on circule bien, hein. Ça le fait pour le moment, ça va. On redescend par là. Et hop. Et re-hop. Ouais, on prend pas de risque, hein. J'ai pas d'élytra, rien. On fera ça tranquillou, hein, dragon et compagnie. On prendra notre temps. J'ai même pas fait de beacon, rien. Oh, c'est honteux. Ah oui, mais non, je suis bête, j'ai F4 moi pour prendre de la distance, je suis trop bête. Voilà, comme ça on commence à voir un peu les différents niveaux qu'il va y avoir. Alors c'est dommage parce qu'avec le soleil, le contre-jour, on voit pas trop la nuance de gris. Mais normalement vous avez les petites nuances de gris avec les toits qui sont sympas. On pourrait presque rajouter des petits trucs, c'est même pas sûr. Là vous voyez, ça fait moins rond. Je pense que si je rajoute peut-être un ou deux blocs là, ça fera plus joli. En dalle, juste là, là. Ça fera peut-être plus joli rajouter deux dalles dans les coins. Ça fera un peu plus arrondi. Mais voilà, dans l'ensemble, ça rend plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. C'est un bon début. Voilà. Et puis là, bah, y aura la grande tour qui va monter. Voilà quoi. Voilà. F4. Allez, je vous montre vite fait. Comment est-ce qu'on fait comment je fais mon XP pour le moment? Avant de me faire une ferme à XP. J'ai vu qu'il y avait une ferme à XP qui est vachement sympa avec des allées. Qui est vraiment sympa. Pour l'instant, je la fais en mode risqué. Coucou Lissine! Ah oui! T'as vu, ils sont trop beaux les blocs. J'ai même pas vu que t'étais là, ma poule. Honteux! C'est honteux.
Je suis monté tout à l'heure. Voilà, ils m'ont mis en avant, c'est sympa. Sur Twitch. Avant qu'il soit trop l'heure de manger, je suis monté à 1800 viewers, j'étais content. Je dis, tiens, dis donc, depuis Olicube, ça n'était pas arrivé. Hop, bon, c'est fini parce qu'ils vous font sauter. Regardez, 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 en dessous, c'est la lave. Hein. Ah oui, puis. Ah oui, mais attendez, j'ai pas mis mon casque en or. Ah, j'ai pas pris mon. Bon, ça, alors ça va aller. Je fais des bêtises, hein. Tout ça parce que je veux aller vite. Dès que tu veux aller vite dans le jeu là, c'est ultra dangereux. Alors, on met le casque en or. Voilà, éviter de se faire taper par divers. Ma pioche. Seal touch. Allez là. Voilà, c'est bien. Le palais tuvier. Bien sûr. Oh mince. Mais oui, c'est important quand t'es en hardcore. Et souvent en fin de live, hein, je fais un peu des bêtises, je vais aller un peu vite et puis c'est là que ça va plus. Ok. Ah bah ça y est. Tiens, allez, tu veux jouer. Non. Il est pas mort lui. S'il est mort. Ah, j'ai chaud. Qu'est-ce qu'ils sont saouls, ces bestiaux. Je te jure. Sont les blocs. Voilà. Combien il en faut? 3. Je rebouge tout de suite parce qu'en dessous, il y a de la lave. Alors, pas prendre de risque, hein. Oh la sale bête! Oh la sale bête! Voilà. Donc pour réparer ces outils, pour le moment, hein, je la fais, j'allais dire, à l'ancienne. Ça fait longtemps, longtemps dans Minecraft que j'avais trouvé cette technique. Très, très longtemps. C'est simple et efficace. Et ça, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Ça se fait vraiment super vite. Allez, une petite boule de neige. Allez, venez là, mes petits amis, car c'est la fête aujourd'hui. Voilà, donc il y a tous les pigments qui vont arriver. Ouais, j'avoue que c'est un peu saoulant les bignes. Hein. Oh, il y a du monde qui arrive. Hein. Ouais, donc en tout début de partie, hein, en vrai, pour. Bon, lui il est trop loin, lui il va pas me saouler, il est trop loin. J'espère. Je te jure. C'est quoi ces ballons dirigeables? Oh, il y a du peuple hein, qui arrive. Hein. Alors, bien sûr, ne pas oublier de mettre ça dans sa main gauche, évidemment. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, ça y est, les gars. Tout le monde est bien dû là, ou presque. Ou presque. En plus, j'ai sharpness, hein, j'ai même pas smite, hein, mais bon, ça fait bien l'affaire. Ouais, c'est bon, je crois qu'il y a. Ouais, c'est bon, allez, c'est bon. On va réparer doucement. Tac. Allez, c'est à moi l'XP, merci mesdames et messieurs. Et voilà. Donc en plus on récupère de l'or, du zombie, bon faut attendre qu'il soit posé le bétail. Voilà, donc on range ça. Vous avez eu ma pioche. Elle est réparée, elle a été réparée de la moitié de 25% d'un coup. Là. Voilà, puis après bah, on continue, hein, je répare mes outils. Bon j'étais quand même assez vite. Donc je vais juste attendre de voir qu'ils sont plus vénères. Qu'il n'y a plus personne, vous savez, plus personne n'est énervé là. Voilà, puis on peut rentrer à la maison. Tout simplement. Voilà. Sauf que là, il est 20h30. Si je peux rentrer sans risque, je pense. Voilà, c'était pour montrer vite fait.
Je pense que là, je peux rentrer sans risque. Des fois, je suis obligé d'attendre plus longtemps que ça. Hein. Mais là, ça va en vrai. Allez, on rentre à la maison. Vite fait, on court. Ouais, peut-être qu'il bluffe, ouais. Faut faire attention. Oui. Ils font peur quand même un peu. Hop. Tac. Voilà, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ok. Et bim. Direction la baraque. Une belle maison. Bon, enfin, bon, c'est le début, hein. Elle est loin d'être terminée, mais je pense que ça va bien rendre. Surtout que maintenant, je fais un peu tout à l'arrache. Je fais plus de calculs savants. Allez, on court. Et on rentre. Hop là. Ah. Ah, c'est bon, regardez. Et voilà, elle est pas belle la vitre. Et ben voilà les amis. Oh attendez, il fait nuit. On va faire un petit dodo. J'espère que ce petit live vous aura bien plu. Alors surtout, restez avec nous. Parce que je vais hoster quelqu'un qui le vaut bien sûr. Et je vais en profiter pour passer 60 mini petites secondes de publicité. Alors Lucide n'est pas en live puisqu'elle est avec nous, hein, bien sûr. Sinon, bah, on aurait pu la hoster. Comment j'ai demandé la mise en avant? Je sais plus. Sur Twitch, à un moment, j'avais reçu un truc qui disait « Ah bah tiens, si tu veux une mise en avant, on peut te mettre en avant. » Et donc il faut t'inscrire, et j'avais demandé une date. Et puis comme je savais pas combien de temps je partais en vacances, voilà. Albidor Live, hein, c'est bien aussi de faire des trucs en live. Voilà les amis. Voilà, regardez le début du chatal qui avance gentiment. Tiens d'ailleurs, on savait pas quoi, regardez. Allez, souriez. On va se faire un petit screen, parce que ça avance quand même. Je vais voir F2. Et bim. Voilà, il est beau coco. Voilà les amis, passez tous une bonne soirée. On se retrouve demain. Il y a des chances qu'on fasse du Star Wars demain. Il y a de fortes chances qu'on continue l'aventure. Il y aura juste une petite coupure, mais que vous aurez en vidéo incessamment sous peu. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Là, c'est pas craignant, sauf que je suis là. En plus, il fait jour, tout va bien. Donc du coup, on va hoster quelqu'un. Alors déjà, je fais ça. Alors un gros bisou à mes petits modos d'amour et tout ça, bien sûr à tous ceux qui ont fait des subs, des bisous, des câlins, bien sûr. Alors qui c'est qui est en live? Qui c'est qui est en live? Miam 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 miam. Nous avons... Que je regarde un peu... Les gens qui sont pas prêts là, ils vont pas être prêts. Je regarde. Tiens, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est super gentil, c'est Yakeops, par exemple. Ouais, il y a plein de monde. Mais Yakeops, il était tellement gentil, ce garçon. Tellement super gentil que, du coup, voilà. On va faire... Alors, du coup... Tac. 3, 2, 1. C'est bon, je peux le faire. Alors, Keops. Rechercher, filtrer. Bim. Il va pas être prêt, hein. Je vais lui balancer plus de 300, voire 400 personnes. C'est trop drôle. Alors ça part très vite, attention. C'est parti mon kiki, bisous. Hop là. Hello et lui, merci beaucoup pour le raid. Eh ben, y a du monde ici. Salut Verlico, salut Lucide. Ça va ou quoi? Vous allez bien tout le monde? Hello les Raiders. Merci roi, des gros bisous à toi. Et bon appétit. J'espère que t'as passé un bon live en tout cas. Oh, tu veux bien venir toi? Allez, ici.
Merci beaucoup, Roi. Des bisous. Merci, Mandra, pour l'abonnement offert à Roi, lui. Merci infiniment. Oh, il veut pas venir, lui.